puissance, ô Seigneur notre Dieu. Car notre Seigneur est puissant, oui, notre Seigneur est triomphant, notre Seigneur est si merveilleux. Alléluia, Dieu de salut. L'honneur, la magnificence, la gloire à celui qui est merveilleux. Peuple de Dieu, pouvons-nous élever la voix dans une acclamation, avec une action de grâce? Il est le seul, il est l'unique. Ce ne sont pas seulement
la célébrons. Est-ce que la cité royale peut faire monter une clameur? Alléluia, bonjour encore, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui sont ici en présentiel, qui vivent ce moment. Est-ce que nous sommes présents? Wow! Oh! Et aussi bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet, la famille Impact Centre Chrétien, tous ceux qui ont soutenu ce projet de près ou de loin, qui ont attendu, qui ont soupiré après ce moment-là. On y est enfin. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Waouh! Merci Seigneur. Waouh! Et aujourd'hui, c'est vrai que ça faisait plusieurs mois maintenant que nous sommes entrés dans la cité royale, mais nous voulions de façon vraiment symbolique prendre le temps de célébrer Dieu et de vraiment d'inaugurer avec l'ensemble de la famille Impact Centre Chrétien, l'ensemble de la famille spirituelle, le corps de Christ dans les quatre coins du monde. On a ici nos pères, les pasteurs Matthew, on a plusieurs pasteurs. On a plusieurs membres du corps de Christ, plusieurs pasteurs et apôtres qui sont là pour célébrer dans l'unité du corps de Christ ce moment historique. Alors aujourd'hui est une soirée spéciale. Dis à ton voisin, tu ne l'oublieras pas. Toute personne qui ne sourit pas ce soir est une personne très suspecte. Très, très suspecte, pasteur Teddy. Nous sommes véritablement dans la joie. Alors, juste un seul mot. Que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient disponibles, que vous soyez connectés ou nous ici en présentiel, en connexion avec toutes les personnes sur Internet et toutes les églises connectées, nous voulons véritablement profiter du moment. Alors, fais un sourire encore à ton voisin, fais un sourire à ta voisine. Et ensuite, nous allons dire, profitons de la soirée. Allez. Merci de bien vouloir prendre place. Excellente Veuillez prendre soirée place dans sa dans présence. Sa présence. Les enfants. Aïe. Je dis jouez doucement les enfants. Bon, ça suffit. Venez ici. Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis pour vous trouver les moyens de vous mettre de la nourriture dans le ventre et vous faites du bruit dans mes oreilles. Mais papa, on s'ennuie. T'avais dit qu'on allait à Cité Royale aujourd'hui. D'accord, mais c'est ce soir la Cité Royale. Mais nous, on veut y aller maintenant, s'il te plaît. La cérémonie d'inauguration, c'est dans 3 heures. Mais nous, on veut aller à l'inauguration maintenant, papa, s'il te plaît. On ne dit pas au guigui, c'est pas quoi. On dit inauguration, parce que c'est un grand événement. Voilà, tu vois, tu comprends? Bon. S'il te plaît. Bon, allez me chercher un livre. Je vais vous raconter une histoire, le temps d'attendre, parce que je ne sais pas si vous allez me laisser respirer. Peppa Cochon range sa chambre. Ah oui, oui. Mais c'est ça vos histoires? Dans notre temps, c'était les trois petits cochons avec un loup. La reine de la glace. Ah non, 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 non. Harry Potter à l'école des sceaux. Non, non, non. Qui vous achète ce genre de livre? Qui? Ça, c'est pas moi. Je m'en souviens pas. De toutes les façons, on laisse tomber. Moi, j'ai une histoire à vous raconter. Oh, une histoire avec de la bagarre. Aïe. Ah, le type de bagarre que tu t'imagines. Ok, ok, ok. Dans mon histoire, il y a tout. Part d'amour. De bataille. D'unité. De la foi. Wow. De la persévérance. En fait, tout, tu comprends? Et mon histoire, c'est l'histoire de la cité royale. Wow! Oh que oui! Elle commence avec Dieu. Dieu à l'origine de tout, au commencement. Tu restes là, mec. Sinon,
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Se mouvait au-dessus des eaux. Que la lumière soit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
trésor d'éternité. Tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. T'es sans égal, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. L'Église s'élève, Jésus roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Honneur et gloire, merci et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance.
quand notre Dieu règne, il règne d'âge en âge. Oh oh oh, oh oh oh. Est-ce que tu peux te lever pour célébrer ce Dieu qui règne? Let's go! Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? Oh, je ne te vois pas l'acclamer, mais le Dieu, il est le Dieu qui règne sur le temps et les circonstances. Et nous lui devons notre louange. Mes enfants, Dieu règne sur tout et sur la cité royale. Oh, mais le pasteur Yvan, il dit toujours, c'est Dieu qui l'a fait, pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est Dieu qui permet tout. C'est Dieu qui a permis que la construction se fasse du début jusqu'à la fin. Wow. Ah oui. Et ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. La main de Dieu travaille dans la famille ICC depuis plus de 20 ans. Regardez! Quand ICC a commencé officiellement en 2002,
autour des couples fondateurs, hein, pasteur Yvan, pasteur Maud, pasteur Yves et pasteur Abby, il y avait un bon noyau qui venait des Ulysses et qui ont été en fait engendrés dans la foi à travers ces temps qu'on a passés ici. Ils venaient tous les vendredis, donc ils travaillaient la semaine et le vendredi soir, au lieu de rentrer à la maison, ils payaient ce prix-là. C'était aussi un sacrifice. Et, bon, on commençait à 19h, mais on ne savait pas en réalité quand est-ce qu'on terminait. Parfois, on terminait à 2h du matin, parfois même une fois même, je crois, 3h du matin. On était en 1996. J'ai eu 25 ans, je suis allé dans un magasin acheter une rose. Et puis, je suis venu à la maison. Je voulais juste dire merci à Dieu. Et puis j'ai mis la rose dans un pot. Et puis j'ai commencé à chanter juste pour dire « Seigneur, merci de m'avoir donné 25 ans. » La présence de Dieu s'est manifestée dans ma chambre comme jamais. Je me suis mis à pleurer, une présence m'a saisi. J'ai senti un amour que je n'avais jamais senti. Et une main qui s'est posée sur mon épaule gauche et qui a commencé à me taper comme ça. J'ai dit « C'est quoi ce truc-là » J'ai eu peur, j'ai dit « Quoi ? Moi, il me tape sur l'épaule, c'est quoi ça ?» Et puis c'était d'une douceur. Et là, quand j'ai vu cette main, je me suis mis face contre terre. J'ai commencé à dire, non, n'apparaît pas, je ne suis pas prêt, n'apparaît pas dans ma chambre, n'apparaît pas, non, non, je ne suis pas. J'ai commencé à supplier le Seigneur de ne pas apparaître dans ma chambre. Et puis après, j'ai senti la même main qui était sur mon épaule, elle est venue sur mon cœur. Et puis elle a commencé à nettoyer mon cœur. C'est comme si on enlevait des toiles d'araignée. On enlevait des toiles d'araignée. Je sentais qu'il était en train de guérir. Moi, je ne voulais que Dieu. Je ne voulais pas la popularité, je ne voulais pas les... Bon, à l'époque même, Dieu m'a repris après. Je ne voulais même pas les miracles, en fait. Les miracles sont venus après. Et je crois que c'est ça qui a porté ICC, en fait. Et c'est ça que j'ai communiqué autour de moi, jusqu'à aujourd'hui, paraît-il. Ce qui nous a motivés à pouvoir garder le rythme et à continuer à nous retrouver avec les autres frères et sœurs, c'était vraiment l'amour qu'on avait pour le Seigneur. En fait, on savait qu'on ne venait pas à l'église pour faire juste de la figuration, mais on voulait connaître ce Dieu-là, on voulait grandir avec ce Dieu, on voulait aller loin. Donc 12 au départ, on se retrouvait tout de suite 20, 25. Mon salon n'était pas prévu pour ça, hein, pour être transformé en église. On est fougueux, on a le zèle, on était là, un noyau comme ça dur, on se retrouvait la semaine et on s'encourageait, on méditait la parole, on priait ensemble, voilà. On avait entendu parler de KICC, que c'était une église dynamique en Angleterre. On a appris qu'il y avait une conférence là-bas. Il faut savoir qu'en ce moment-là, j'ai un bébé dans les bras, j'ai un autre qui marche à peine. Mais on voulait vraiment aller à cette conférence, aller voir ce qui se passait là-bas, voilà, mais pas seulement se limiter à ce qui se passe en France. Ce qu'on a vu à KICC la première fois, on a vu les gens qui aimaient Dieu, on a vu les gens qui étaient organisés, on a vu des gens qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient, qui étaient dans les détails, et on était choqués. On a dit « Waouh, ils sont à côté de Paris, donc ça existe ». Et c'était les Africains. À l'époque, les modèles des églises qu'on voyait en France, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. On était juste stomaqués, quoi. Ce qu'on a vu, c'était la première fois qu'on voyait ça, en fait. Une grande église dynamique. Et le monde qu'il y avait, la parole était touchante, la parole était vraiment profonde. Et c'est ça qu'on cherchait. Mais c'était excellent. La louange, l'adoration, l'infrastructure, la sono. Tu vois une méga église avec des gens simples, avec des gens serviables. Et j'avoue que je suis sorti de là, j'étais abattu. J'étais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Comment il peut y avoir un tel gap entre les anglophones et les francophones? Je suis assis au fond de l'église et puis je regarde autour de moi. Et puis là, je dis à Dieu, mais Seigneur, tu as oublié le monde francophone. Tu as oublié la francophonie. Je soupire, je dis, Seigneur, tu as oublié la francophonie. Tu as oublié la francophonie. Brusquement, je me mets à pleurer. Je pleure. Et puis j'entends une voix qui me dit, va. À partir de maintenant, va. Enregistre une association. Commence une œuvre. Je pense qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire. Oui, tu peux te lever et acclamer très fort le Seigneur. Waouh, oh Seigneur, nous sommes tout émus ce soir parce que, n'est-ce pas, pasteur Yvan, en écoutant cette vidéo, on se rend compte qu'on vient de quelque part, on vient de loin. Et... tout ce que vous avez écouté, c'est vraiment des enchaînements, des petites choses que Dieu a fait, comment il peut mettre un fardeau dans un cœur, comment il peut ouvrir les yeux à travers un témoignage. Et nous voici, nous sommes là ce soir. Quel parcours!
La cité royale, c'est le message que Dieu s'est souvenu de la francophonie. Et la vidéo qui a été abrégée, en fait, l'histoire a commencé à la conférence à KICC en 2001. Voilà. Et quand on a vu, on ne pleurait pas pour... on ne soupirait pas après nous. On ne soupirait pas après des grandeurs, des titres, des positions personnelles. On soupirait juste pour la francophonie et pour que dans la francophonie, on ait des églises qui fassent envie. Et c'était ça. Une église où on rêve d'inviter des gens. Et où on n'est pas... Voilà, où on n'est pas gêné à l'idée d'inviter des amis et des parents. C'était ça notre soupir. C'était juste, il faut qu'on te voie dans la francophonie. Et Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Alors c'est vrai, oui, comment ne pas le remercier? C'est vrai que lorsqu'on soupire, hein, et c'est ce que j'ai appris aussi avec le Seigneur, c'est qu'après le Seigneur te donne un fardeau. Il met ce fardeau dans ton cœur et maintenant te voici enceinte. Il te rend enceinte. Il te rend enceinte, voilà. Il te rend enceinte. Une parole. Et te voici en train de porter une grossesse qu'il est lui à l'origine, Dieu est à l'origine. Et j'ai encore un petit souvenir il y a 5 ans de cela, lorsque le Seigneur nous a connectés avec le maire de cette ville et que le maire lui-même nous a emmenés ici. Je vous avoue que j'avais peur. En regardant le site, j'étais impressionnée. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Et pendant que je résistais moi-même à la voix de Dieu, le maire me disait, Madame Castanou, c'est pour vous. Ce n'est pas tu résistais, c'est on résistait. On résistait, voilà, on résistait, voilà. On résistait, mais après j'étais tellement, voilà, on résistait, mais... Et le maire a dit, si, c'est ici, ici. C'est vous devez acheter, c'est ici, c'est ici. Il a dit, mon voix, c'est trop grand. Il dit, si, Monsieur Castanou, Madame Castanou, c'est ici. Et puis Dieu nous a convaincus de péché. C'est ça. L'incrédulité. Voilà. Il nous a convaincus de péché, c'est vrai. Et comme le Seigneur sait faire les choses, on n'avait pas encore vu ce qu'il voulait faire ici. Donc, il nous a emmenés pas à pas et on ne voyait pas clair de ce que le Seigneur voulait faire. On avançait vraiment à petits pas et au fur et à mesure qu'on avançait, les choses se durcissaient. C'était vraiment difficile. À un moment donné, on a dit, Seigneur, mais... comment tu nous as emmenés dans cet endroit? Et on ne voyait pas encore ce qu'il voulait clairement faire. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fermé nos yeux. Parce que s'il nous avait montré ce qu'il voulait faire, je pense qu'on allait encore plus avoir peur. Et on allait fuir. Bon, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la vérité, c'est que la cité royale est née, comme on a dit, d'une prophétie. Donc malgré les peurs, bon, je t'avoue comment mon bébé, malgré les craintes et les peurs, je savais que Dieu allait le faire. En vérité, voilà, vous savez, parfois, on sait tout ce que c'est, Dieu dit fonce, voilà, il y a la crainte, il y a la peur, il y a l'adversité, il y a l'opposition, mais tant qu'on reste dans la présence de Dieu, on entend, il y a le rêve qui ne veut pas mourir, il y a la voix qui ne cesse pas de parler, alors on dit, on ne sait pas comment tu vas faire, alors on se jette à l'eau, et puis tu vas faire ce que tu vas faire, et il l'a fait, alors, et on est reconnaissant. Je ne sais pas si c'était une technique, parce que, alors que nous, on tremblait, des fois, quand je venais te donner des nouvelles qui n'étaient pas bonnes, tu dis, bébé, c'est pas la peine de me dire. Garde ça pour toi. Ah, il voulait que moi, je prenne justement la pression et lui. Mais je sais que nuit et jour, il ne cessait de prier pour ce chantier. Il priait nuit et jour. Il priait. Et waouh, on rend grâce à Dieu. Ouais. Bah, vous savez, quand on connaît la fin d'une chose avant que son commencement, c'est comme ça que fait Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. Et que c'est un peu comme un film, vous voyez, non? Quand tu regardes un film... Et quand tu connais la fin du film, bah, tu t'agites pas parce que même quand quelqu'un vient derrière l'acteur pour vouloir le poignarder, tu sais qu'il mourra pas parce que tu as déjà vu la fin du film. Donc tu t'agites pas, quoi. C'est ça. Comment ne pas le remercier? Comment ne pas continuer à le louer, le célébrer dans cette soirée? Et on voudrait vraiment rendre grâce à Dieu, à vous tous qui étiez su présents. Donc je rends grâce à Dieu, à nos parents spirituels qui sont ici, pasteur Mathieu, pasteur Yemissi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Nous les accueillons en ce lieu. Pendant que la chorale se met en place pour continuer le temps de célébration, nous voulons accueillir toutes les délégations. Bon, en fait, et ce soir, on ne célèbre pas un Pax sans chrétien. Ce soir, c'est important de préciser, il y a beaucoup de gens qui sont venus de loin, d'Afrique, d'Amérique, de la Caraïbe. C'est toute la famille du corps de Christ. En fait, ce soir, la vérité, c'est qu'on célèbre une percée pour l'Église dans la francophonie. Et donc, merci
Merci à tous nos amis, à tous nos frères. On ne peut pas en citer parce que si on commence à citer, on va en oublier d'autres. Et donc, merci simplement. Voilà, nous sommes, je crois que ce soir, on donne un témoignage d'unité. Et c'est une fierté de faire partie de cette génération. Et nous sommes ravis que vous soyez là. Et comme je dis encore une fois de plus, hein, les derniers seront les premiers. C'est le temps de la francophonie. Alors que les chantres s'installent, parce que nous voulons qu'ils s'installent, moi j'ai un souvenir. C'est vrai que lorsque nous sommes revenus de KICC et qu'on a commencé l'œuvre, hein, et que Pasteur Mathieu a bien voulu, avec Pasteur Yemissi, vraiment nous porter, nous prendre comme leurs fils et filles dans le Seigneur, lorsque Pasteur Mathieu arrivait et qu'il essayait de nous étirer, le nombre de fois où Pasteur Yvon a pleuré, c'était dur, parce qu'on avait notre manière de penser, notre manière de voir les choses. On venait de voir quelque chose de très grand et on voulait que Dieu le fasse, mais le chemin était long. Il a fallu que les parents soient là, nous challengent, nous étirent. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment acclamer le Seigneur pour Pasteur Mathieu, pour ce travail merveilleux. Waouh! Pendant donc que la chorale s'installe, pendant donc que... Ah, c'est pas là? Ah, ok, c'est là-bas qu'on repart. D'accord. Ok, ma femme, éclipsons-nous, la scène, la soirée continue, sur nos acclamations pour le Seigneur. Merci. Éclipsons-nous vite. Ok. Wow. Mais tout ça, ça doit être beaucoup de travail. Et ça doit faire beaucoup de sous aussi. Ah ouais. Ah oui. Ah. Mais c'était vraiment beau ça. Mais tu te poses pas des questions? Mais les pasteurs, comment ils ont fait pour faire tout ça tout seuls? Ils étaient pas tout seuls en tout cas, par la grâce de Dieu. Des milliers de personnes à travers le monde, l'Asie, l'Afrique. Même chez Tom Sawyer au Mississippi, se sont réunis, mobilisés pour que cette œuvre prenne forme. Wow. Et c'est du jamais vu. Jamais. Ça me donne même des frissons. Oh. On était tous unis pour l'œuvre de Dieu. Tous unis pour Dieu. D'ailleurs, ça passe aux infos. Dans la suite de l'actualité ce soir, à présent, un numéro spécial dans notre journal. Souvenez-vous, c'était il y a 6 ans, notre équipe couvrait pour vous un phénomène autant époustouflant que controversé qui avait à l'époque enflammé la toile. Des milliers de chrétiens répondent à un appel aux dons colossal lancé par la méga-church française Un pacte centre chrétien pour la construction d'un édifice phénoménal appelé la Cité Royale. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de cet édifice unique, nous revenons avec vous sur l'étonnant reportage signé Véronique Sandieu et Jérôme Ne Croit Pas. C'est dans la petite zone industrielle de Boissy-Saint-Léger que depuis quelques années, une église est en train de faire bouger le monde du protestantisme en France. À l'origine, un projet de construction fou, la Cité Royale. Un projet qui intrigue et inquiète certains, d'autant plus qu'il est censé être financé premièrement par les membres de l'église. C'est le cas de la jeune Priscille, 16 ans. Sa famille et elle sont membres de l'église depuis de nombreuses années et Priscille se sent très concernée par cet appel aux dons. Depuis plusieurs mois, tous les dimanches, elle vend à la sortie de chaque culte bracelets, sacs, tongs et bijoux qu'elle confectionne elle-même afin de reverser ses recettes à la construction du nouvel édifice. Alors j'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu pour la construction de son temple. J'ai décidé de mettre tous mes dons et talents à contribution pour cette construction-là. Donc même si c'était pour contribuer à l'achat d'une table ou d'un carreau, je vais mettre ma pierre à l'édifice. Et donc j'ai commencé avec des bracelets. Donc un beau matin, je me suis dit pourquoi pas me mettre à la couture. Alors je ne savais pas du tout coudre et donc j'ai juste demandé à ma grand-mère de me donner sa machine à coudre. Et donc j'ai commencé à créer des sacs. Et ensuite l'été est arrivé et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans les bijoux. Donc là, c'était des bijoux en pâte polymère qui allaient dans l'eau et je trouvais ça super cool. Je me suis dit pourquoi pas tenter le tricot.
Et donc j'ai fait des bonnets, des écharpes. Et donc le projet le plus abouti, c'est les gigoteuses. Donc c'est ce qui est fait de plus qualitatif. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a inspiré tout ça et qui m'a permis de réussir à avoir des projets de plus en plus finis au final. Quand elle est venue me voir pour me dire « Mais papa, moi aussi, je veux faire quelque chose », je ne sais pas comment. Moi-même, je pensais qu'il fallait que tous les mois, je puisse lui donner quelque chose pour qu'elle puisse, voilà, contribuer. Mais il s'est avéré qu'il y avait des dons cachés en elle. Priscille, qui n'avait jamais touché à une machine à coudre, a commencé à coudre sans être formée. Donc ça, ça montre combien Dieu est capable de réveiller dans la vie d'une personne les dons lorsqu'on décide d'obéir à sa voix, à ses instructions. Une mobilisation sans précédent au sein d'Impact Centre Chrétien, le pasteur Christian Saboukoulou, pasteur principal de la filiale bruxelloise, nous en parle. On a vu quand même un élan particulier. Il y a la dynamique individuelle et je sais que beaucoup ont contribué hein, de manière individuelle. Et il y a la dynamique église, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement. Toutes les églises ont activement contribué. C'est un projet divin qui concerne l'ICC bien sûr, mais qui concerne également l'ensemble des églises francophones. Une mobilisation qui prend un air de mission divine et aujourd'hui dépasse largement les frontières d'ICC pour allier d'autres communautés évangéliques protestantes francophones. Le pasteur Christian Saboukoulou nous raconte également comment ces églises ont décidé à leur tour d'apporter leur pierre à l'édifice. Ces églises-là, je pense qu'elles ont compris que c'est un projet en fait, qui dépasse une église locale ou un mouvement d'église. Ça dépasse ICC. C'est une brèche pour toutes celles et ceux qui veulent adhérer. Et pour adhérer, en fait, pour s'agripper à la grâce de la brèche, en fait, eh ben, il faut contribuer, il faut semer. Donc toutes celles et ceux qui ont ce discernement, eh ben, ne soyez pas surpris que par la suite, vous entendiez pour ces églises-là, en fait, des projets d'envergure, peut-être pas à la hauteur du projet de ICC, mais des projets d'un tout autre ordre, d'une toute autre dimension auxquels ils ne pensaient même pas avant. Quoi. Et aujourd'hui, 6 ans après, incroyable mais vrai, la Cité Royale a vu le jour. Alors en duplex depuis l'inauguration de la cité ce soir, eh bien, nous sommes en direct avec Éric Lemondin. Éric, bonsoir. Alors, une grande partie hein, de la communauté chrétienne francophone est en ébullition pour l'inauguration de ce bâtiment tant attendu. Hein. Alors, dites-nous un peu, Éric, quelle est l'atmosphère ce soir à Croissy-Beaubourg ? Bonsoir Sandrine. Eh bien, l'émotion est au rendez-vous ce soir à Croissy-Beaubourg. Ce sont plus de 6000 fidèles qui sont en ce moment même rassemblés à l'intérieur du bâtiment pour une inauguration en grande pompe. Ils viennent des quatre coins de la France et du monde. C'est un rassemblement du corps protestant francophone pour célébrer ensemble ce qu'ils décrivent comme l'œuvre du doigt de Dieu. En début de soirée, des fidèles nous confiaient leur grande émotion à la découverte de ce lieu, un mélange d'émerveillement et de gratitude envers Dieu. Merci Éric, et nous l'avons vu dans notre reportage, ce ne sont pas que les financements des banques qui ont permis cette construction, mais on l'a vu, c'est d'abord en grande partie grâce aux milliers de donateurs des quatre coins du monde qui ont contribué avec joie, il faut le dire, pour que l'édifice voit le jour. Alors en duplex également, depuis eh bien, la cité, nous rejoignons Nadine Incrédule. Bonsoir Nadine, vous qui êtes à l'intérieur même de cette cité, est-ce que l'édifice tient toutes ses promesses ? Tout d'abord, bonsoir Sandrine. Eh bien, je peux vous répondre sans équivoque un grand oui. L'édifice est tout simplement époustouflant. Vous pouvez déjà apercevoir juste derrière moi le grand restaurant de 120 couverts et juste à ma droite, la cafétéria. Saviez-vous, Sandrine, que la Cité Royale s'étend sur plus de 6800 mètres carrés ? C'est énorme. Elle compte 8 salles polyvalentes allant chacune de 200 à 500 places pour accueillir aussi
bien un mariage, conférence que séminaire d'entreprise, 5 salles de réunion à la location, un espace VIP et même un baptistère pour les célébrations de baptême des fidèles de l'Église. Mais ce n'est pas tout, Sandrine, puisque la Cité Royale a été pensée également pour accueillir les grands comme les petits. Elle dédie plus de 700 mètres carrés aux espaces jeunesse, des espaces équipés avec animateurs pour divertir les enfants de 1 à 14 ans. La cité compte aussi des espaces médias, tout équipés, 7 salles de traduction, un studio d'enregistrement, 3 plateaux de réalisation TV pour créer tout le contenu média dont vous rêvez et une régie TV pour piloter le direct depuis l'auditorium. Enfin, sachez qu'elle dédie également un espace de prière pour les fidèles appelé la tour de prière. Vous l'aurez compris, Sandrine, vous ne risquez pas de vous ennuyer à la Cité Royale. Merci Nadine. Alors si vous nous rejoignez ce soir, l'Église, Impact Centre Chrétien et le monde du protestantisme francophone inaugurent la Cité Royale. Alors un édifice jamais construit en France par une communauté religieuse et on le rappelle, notre reporter Nadine Incrédule est avec nous sur place pour nous faire découvrir en exclusivité l'intérieur de l'immense bâtisse. Tout à fait, Sandrine, même si je vous l'avoue, la Cité Royale a des airs de labyrinthe, il y a de quoi sortir sa boussole pour s'orienter. Toujours est-il que je me trouve ici, dans ce lieu où chaque dimanche, près de 3500 fidèles se rassemblent pour célébrer le culte dominical. Ils remplissent en quelques minutes les 700 places du parking couvert ainsi que les 3500 places du grand auditorium central. Justement, Sandrine, je me dirige actuellement vers cet auditorium ultra moderne dans lequel a lieu actuellement la cérémonie d'inauguration pour vous le faire découvrir en exclusivité. Alors Nadine, oui, les festivités ont démarré depuis 19h ce soir et les fidèles ont d'ailleurs déjà confié plus tôt que la Cité Royale avait une signification toute particulière pour la communauté chrétienne francophone. Plus qu'un bâtiment, on a le sentiment maintenant, Nadine, que cette cité marque d'une pierre blanche une nouvelle ère où, je cite, eh bien, désormais tout est possible. Alors je suis sûre que nos téléspectateurs sont impatients de découvrir avec vous ce qui se passe à l'intérieur de l'auditorium ce soir. Eh bien Sandrine, ça y est, me voici à l'intérieur même du grand auditorium, en direct depuis la cérémonie d'inauguration, dans une ambiance ici vraiment survoltée. Les cris parlent d'eux-mêmes, vous pouvez l'entendre, la joie est au rendez-vous ce soir. Vous pouvez le constater, les rangées sont remplies de fidèles, de pasteurs, d'officiels qui sont tous côte à côte, j'ai presque envie de dire, main dans la main pour célébrer ensemble la fin d'une épopée de 6 ans de construction, Sandrine. Alors, il faut le savoir quand même, personne n'y croyait à ce projet d'une telle envergure, mais pourtant ce soir, nos yeux l'ont vu. Cette sublime cité royale n'a absolument rien à envier avec les espaces de haut standing de la capitale. C'est pourquoi je crois sincèrement, Sandrine, que cet édifice est et restera un très grand témoignage pour la communauté francophone protestante et bien au-delà. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez manifesté. Il se souviendra de vos semences, des sacrifices auxquels vous avez consenti. Par amour que vous avez pris.
sa grâce prospère, que vous ne manquiez de rien dans cette vie. Mon Dieu est fidèle, il est une source Papa, s'il te plaît, on peut y aller. Bon, ok, allons-y, allons-y, c'est vrai. Il est l'heure. Mais attends, t'entends. La bagarre. Tu m'avais dit qu'il y aurait de la bagarre. Ok, ok. Doucement, on s'assoit. Je vais t'expliquer, je vais essayer. En fait, on a combattu beaucoup de combats. Ah oui, pour construire ce bâtiment, pour l'emménager. Mais en fait, comment te l'expliquer? Ce lieu a une portée spirituelle très puissante. Tu comprends ça? Je vais le dire autrement. Tu vois toutes ces personnes, les noms qui ont défilé, ces milliers de personnes, ils se sont sacrifiés pour donner, pour apporter à Dieu le meilleur. Et ça, ça coûte dans le monde des méchants. Tu comprends ça? Voilà, c'est ça qu'on appelle un autel. Hein? Mais c'est quoi un autel? C'est en fait une piste d'atterrissage pour Dieu. Et là, c'est que le commencement, le début d'un nouveau départ. Une nouvelle histoire va commencer. Et Dieu prend le contrôle. Il va transformer les vies de tous ceux qui ont contribué à cette œuvre. Mais ça ne fait pas. Nous, on n'a pas contribué, papa. Oh, mais si, vous avez contribué. Si moi j'ai contribué, vous êtes mes enfants, mes sacrifices sont vos sacrifices. Oh yeah! Oh oui! Oh oui! Mais le pasteur Yvon l'explique un peu mieux. C'est
Cité Royale a d'abord une dimension spirituelle. C'est pas juste un beau bâtiment en fait. En vérité, c'est un hub spirituel. Dieu m'a dit, je veux me bâtir un hôtel. A-U-T-E-L. Un hôtel, c'est un point de contact entre l'invisible et le visible, entre le ciel et la terre. Le mot hôtel date de l'Ancien Testament. En fait, Dieu qui est esprit, quand Dieu voulait rentrer dans la sphère terrestre, à visiter les hommes, il fallait que les hommes lui construisent un hôtel. Un hôtel, c'est une, en guillemets, une espèce de piste d'atterrissage où le divin rencontre l'humain. Dans l'hôtel, c'est à la fois moi, parce que depuis que le Saint-Esprit a atterri en nous, nous sommes devenus l'hôtel de Dieu. Mais c'est à la fois l'endroit où on se réunit parce qu'on transporte la présence du roi. La France est très grande influence dans l'histoire. Pour prendre un territoire, il faut prendre la capitale. Et la capitale de la francophonie, c'est Paris. À cette époque, là, ce que j'ai reçu, c'est que Dieu voulait se construire un hôtel au cœur de la francophonie. Une espèce de piste d'atterrissage, une espèce d'aéroport spirituel où la gloire de Dieu atterrirait. Et de là, la gloire de Dieu irait en se déployant dans toute la francophonie et au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. On dit que les hôtels parlent, c'est biblique. Ça veut dire que des hôtels sortent des voix, sortent des tonnerres, sortent des instructions, sortent des directives et sortent des jugements. Ça veut dire qu'ici, en fait, il y a la voix du sang de Jésus qui retentit et qui parle dans la vie des gens qui ont construit cet hôtel, mais également partout dans la francophonie, en fait. Et je suis convaincu que c'est l'un des outils spirituels par lesquels la francophonie sera sauvée. Je ne parle pas de l'église ICC, je parle de ce que Dieu a construit. Donc la France a un rôle stratégique sur le plan spirituel. L'emprise des ténèbres brisée sur la France, c'est un départ de feu. Et ça va se propager. Et c'est ça qui prépare un réveil. Il y a déjà un réveil qui a commencé. Ce réveil a commencé dans les cœurs de tous ceux qui se sont levés pour bâtir la cité royale. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple se levait pour bâtir la maison de Dieu, qui était l'autel où Dieu habitait, c'était un signe d'un peuple dont le cœur revenait à Dieu. Et c'est ça la première preuve d'un réveil. Et donc, en fait, la cité royale annonce qu'un réveil a commencé dans la francophonie, dans les cœurs des bâtisseurs. Beaucoup de gens pensent que, et disent que la France, le monde francophone, la France en particulier, est très difficile à prendre. Mais en vérité, le fait que Dieu ait fait ça, ça veut dire qu'il y a une brèche qui a été ouverte et la France sera prise. Et la France prise, la francophonie sera prise pour Jésus-Christ. C'est pas ICC, c'est plus qu'ICC. C'est un QG. L'hôtel, c'est pour héberger la gloire. Et quand la gloire vient, la gloire se propage. Donc, quiconque est dans le périmètre proche ou lointain sera irradié par cette gloire. Rien n'est naturel ici, tout est totalement spirituel. La manière dont c'était construit, c'est parce que l'idée, c'était de refléter justement la dimension spirituelle, la vision spirituelle. En fait, c'était reçu par révélation. Ça faisait plusieurs jours que je priais pour demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi le nom? Puis c'est quoi le nom des espaces? Et le soir, je suis en train de parler avec mon épouse dans la cuisine, puis je suis en train d'entendre des noms. Puis j'entends arc-en-ciel. J'entends arc-en-ciel. Moi, je prends ma Bible, je tape arc-en-ciel, et je tombe sur Apocalypse chapitre 4. Et il dit que, autour du trône, le trône était enveloppé d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. On n'a pas pris le mot arc-en-ciel, mais on a pris totalement le concept de l'arc-en-ciel qui est irisé. C'est d'où le irisé restaurant, irisé café. Et puis après, il m'emmène dans Apocalypse 21, et puis la Nouvelle Jérusalem. Là où la gloire de Dieu atterrit dans Apocalypse 21, quand la gloire de Dieu atterrit sur la Nouvelle Jérusalem, il dit que les fondements de la muraille de la Nouvelle Jérusalem sont faits de pierres précieuses. Et puis là, il cite escarboucle, émeraude, saphir, topaz. Et là, j'étais en train de recevoir tous les noms. Il me dit, c'est ça les noms des salles. Même si on n'a pas atteint la dimension spirituelle d'excellence qui est autour du trône, mais c'était de représenter avec des objets terrestres une réalité qui était vraiment 100% spirituelle, quoi. D'où l'aspiration à quelque chose de beau qui honore Dieu et qui reflète l'environnement du trône. Et d'ailleurs, je précise que c'est la raison pour laquelle j'étais sûr que ça allait finir, ça allait aboutir. Il y a eu tellement d'obstacles, d'adversité, c'est vrai, mais en fait, j'avais tellement entendu. Je veux dire, comment Dieu pourrait te donner le nom du site, le nom de toutes les salles, s'il a donné tout ça? C'est impossible qu'il ne finisse pas parce que ça ne vient pas de nous, en fait. J'ai juste, dans le lieu secret, dans la communion avec Dieu, eu la grâce d'entendre ce que Dieu voulait manifester dans notre saison. La cité royale, c'est pas mon idée. La cité royale, c'est pas mon,
c'est pas mon rêve personnel, c'est pas mon ambition. C'est le rêve de Dieu qui était déposé dans mon cœur et dont je suis devenu enceinte. J'ai rendu ma femme enceinte, j'ai rendu l'église ICC enceinte, j'ai rendu la francophonie, les personnes de bonne volonté enceintes. C'est un rêve de Dieu. C'est vraiment pas une omission humaine. Et c'est ça là, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Donc je savais, ça ne pouvait pas ne pas aboutir. Ça pouvait pas. Je savais que Dieu avait parlé. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si jamais quelqu'un, vous m'entendez, voulait, toi ou quiconque m'entend là, il veut bâtir quelque chose dont il est sûr que ça va réussir, assure-toi d'être enceinte de la volonté de Dieu, c'est tout. Si c'est la volonté de Dieu et que Dieu t'a donné un réma, et que tu persévères dans la foi, dans l'obéissance, dans la communion du Saint-Esprit, pour pouvoir en permanence entendre la direction divine, ça aboutira. Voilà. C'est ça la belle histoire de la cité royale. Et tu
1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Bon, les enfants, on y va. C'est l'heure. Zou. Attends. Mais l'histoire, elle est finie? Non. Mais la suite au prochain numéro. Allez, raconte un peu, ça parle de quoi? Suspense! Imaginez. Mais, attends, dis non! Le réveil de la francophonie! Un réveil? Oui. C'est de la bagarre, ça aussi? Un peu plus, oui. Mais allons-y, on est pressé. Il faut y aller. C'est yeah. La fête! Yes! Que sa faveur demeure sur toi. Toi qui as contribué. Toi qui, dans le secret, alors tu n'avais pas grand-chose, tu as donné tout ce que tu avais. Comme la veuve de Sarepta, tu t'es sacrifiée, tu as cru à ce rêve et tu as donné tout ce que tu avais. Waouh! Seigneur, merci. Excusez-moi, je suis très émue. Le Seigneur m'a donné une parole dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Le Seigneur l'a fait à travers toi et moi, bien-aimé. Je suis tout émue parce que, en fait, si je peux être vrai avec vous ce soir, lorsqu'il y avait des turbulences, lorsqu'il y avait vraiment des gros défis, lorsque le Seigneur nous a donné une première victoire en nous permettant d'acquérir ce bâtiment, donc il y a cela 6 ans, il nous restait plus qu'un million en compte. Et on devait commencer les travaux, on n'avait pratiquement rien. C'était comme un rêve impossible. Alors, je me rappelle avec Pasteur Yvon et puis le conseil pastoral, on a commencé à contacter les banques. Chaque banque nous fermait la porte au nez. Banque après banque, nous avons des réponses négatives. On s'est même dit, Seigneur, certainement tu vas susciter un homme d'affaires très riche pour venir à notre secours. On a écrit des superbes business plans. J'ai encore ce souvenir, on a rencontré une sœur qui est journaliste dans une chaîne de télé aux États-Unis, une chaîne chrétienne. On l'a rencontrée, elle a dit, mon patron aime les projets faits par des chrétiens, assurément il pourra faire quelque chose. Alors on lui a donné, je me rappelle, j'ai couru à l'imprimerie, on a imprimé un super business plan avec les photos, on a mis toute notre énergie dedans. Et la sœur est partie, on a attendu, on n'a pas eu de réponse. Alors on a commencé à regarder autour de nous, Seigneur, comment on va faire? Quoi faire? Jusqu'à ce que le Seigneur dit que tout est en vous. Ne regardez pas au dehors, ne regardez pas aux hommes riches de ce monde. Vous êtes riches en moi, si seulement vous pouvez appliquer la parole de Dieu. Alors, comme cette jeune fille tout à l'heure sur la vidéo, chacun de nous a commencé à apporter petit à petit. Certains ont même pris des engagements sur 12 mois. Tous les mois, ils donnaient 50 euros. D'autres donnaient 10 euros. Bien-aimé, c'était 10 euros, tes 5 euros que tu as donné assidûment, qui a fait en sorte que nous soyons ici ce soir. Comment ne pas glorifier ce Dieu? Il l'a fait à travers nous. Ce miracle de la multiplication, le Seigneur l'a accompli, bien-aimé. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Alors, je vais juste dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as créé en nous. Tu as pu le faire, Seigneur. Nous n'avons rien, mais tu l'as fait, Seigneur. Tu n'as pas attendu les banques pour venir à notre secours. Tu l'as fait, Seigneur, merci. À toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit que... J'ai entendu une phrase, les pères inspirent, les enfants transpirent. Voilà, je ne dirais pas que c'était les enfants, mais c'était les épouses. Alors moi j'ai reçu l'inspiration, et elle a apporté la transpiration. Et la vérité c'est que
je rends grâce à Dieu pour elle parce que c'est moi qui l'ai, je l'ai quand même envoyé au front. Et que j'évitais quand on disait telle personne, telle société menace d'arrêter le chantier. Et puis après, on arrive le lundi suivant, ils ont arrêté le chantier, encore le chantier s'arrête, c'est 6 mois encore, il faut revenir. C'était tellement de défis, de galères. Et en fait, c'est elle qui portait tout. C'est elle qui portait tout. Moi, je suis trop sage. Donc, moi, dès qu'on me soumet un problème, je dis non. Dieu a parlé et ce qu'il a dit va s'accomplir. Mais la vérité, c'est que pour que ça s'accomplisse, il faut que quelqu'un aille au front. Alors moi, j'allais au front spirituel et puis j'allais au front pour parler à l'église, pour parler aux gens, pour mobiliser. Mais il fallait porter la charge, le poids des travaux. Et c'est tellement... Pasteur Mathieu dit souvent que les gens du BTP, vraiment, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer, quoi. C'est pas moi, c'est lui qui dit ça. Parce qu'il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de coups bas. Et ma femme a tout pris quand même. Elle a pris tout, elle a tout. Voilà. Et je suis reconnaissant à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, je suis reconnaissant à Dieu. À Dieu, parce que si elle n'avait pas persévéré, si elle n'avait pas tiré, si elle n'avait pas, elle s'était pas battue, elle s'était pas levée comme une mère dans la nation, on ne serait pas là. Et la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Et j'ai envie de dire, sachez honorer de telles femmes. Le chant qui me vient à l'esprit, c'est pendant que je vais demander à Eric de s'approcher, à mon frère Eric, pour 3 minutes, monsieur le prédicateur, pas plus, 3 minutes, voilà, chacun aura 3 minutes, et le chant qui me vient à l'esprit, c'est pour tes bontés dans ma vie, oui Joseph, pour tes bontés dans ma vie, pour tes bontés, vas-y. Mais non, mais vous n'êtes pas connecté là. C'est ça, Dieu, on y va. Bonté, bonté dans ma vie. Et ta grâce. Et ta grâce infinie. Reçois. Que tu as contribué à construire la maison de Dieu. Et Dieu se souviendra de chacun d'entre nous, connecté au son de ma voix, et te rémunérera. Parce qu'il n'est pas injuste pour oublier. Dans ce cheminement, dans ce voyage qu'on a fait, je vais juste donner la parole. Je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde, parce qu'il faudrait. On a tellement tous à dire. Mais on a fait une sélection d'individus, de personnes, de frères qui ont cheminé avec nous pendant des années et qui ont envie de partager également un mot d'action de grâce avec nous. Alors je vais commencer par mon frère Eric Sellerier, le pasteur Eric Sellerier, le fondateur du Top Chrétien. Sous nos acclamations pour le Seigneur.
Bien-aimés, prenez place s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs de la famille ICC. Cher pasteur Yvan, cher pasteur Maude, chers frères et sœurs, chers pasteurs aussi qui visitaient pour honorer de votre présence cette dédicace. Je suis avec mon épouse, on est vraiment honorés d'être avec vous. Et on bénit le Seigneur. Pasteur Yvan, pasteur Maude, vous êtes des exemples pour nous. Vous êtes des exemples de persévérance. Pasteur Maude, elle connaissait rien au chantier. Elle a tout appris. Et par la grâce de Dieu, vous l'avez fait. Et nous, on est venus rendre témoignage qu'on est tellement fiers de vous. Quand il y a une vingtaine d'années, l'église ICC a commencé. On a vu tout à l'heure le petit appartement. Nous, à ce moment-là, il y a un peu plus de 20 ans, avec mon épouse, on commençait le Top Chrétien. Et on avait des rêves dans le cœur, des rêves pour la francophonie. Et on a les uns et les autres, et de toute façon, toute grande œuvre, elle commence toujours par des faibles commencements. Mais la Bible dit, qui a méprisé le jour des faibles commencements? Ils se réjouiront. Et je crois qu'on est arrivé à ce moment où il faut se réjouir vraiment. Oui, gloire à Dieu. Et on est là 20 ans après, on rentre dans un lieu qui est à la gloire de Dieu en fait. Et dans lequel on commençait déjà à prendre place des miracles, mais vont prendre place beaucoup, beaucoup de miracles. Et s'il y a bien une chose qui me réjouit, c'est que quand j'ai commencé comme un jeune pasteur dans ma famille d'église, vous savez, on croyait qu'on était les meilleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce syndrome de là où vous venez, de croire que vous êtes les meilleurs, la meilleure doctrine, les meilleures personnes. Et chacun était un petit peu chez soi. Il n'y avait pas trop de relations avec les autres églises. Et déjà entre nous, il n'y avait pas beaucoup de relations. Mais avec les autres familles d'église, il y en avait très peu, voire pas du tout. Et on est là 20 ans après, et on célèbre ce que Dieu fait chez les autres. Et au-delà même de célébrer, on est des amis. Avec Yvan, avec Maude, avec Yves, avec Abby. Yves qui est arrivé d'ailleurs. Hein. Et on peut dire que on s'aime comme des amis. On se respecte, on se célèbre en fait. Et on célèbre ce que Dieu fait avec les autres. Et j'aime cette idée de dire « on est ensemble ». J'ai pris l'expression à pasteur Ivan, on est ensemble. Et puis pendant le Covid, on s'est retrouvés à des milliers, on est ensemble tous les jours dans des émissions. Mais je veux vraiment le dire avec mon cœur et aussi de la part de mon épouse, on est ensemble. On est ensemble pour Jésus, on est ensemble pour le royaume de Dieu, amen, on est amen. Ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Eric, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Wow. Je voudrais rapidement donner le micro on rend grâce à Dieu pour nos frères qui marchent avec nous depuis plusieurs années. Et je voudrais donner le micro à notre bien-aimé frère Marcelo Tounassi sur nos acclamations pour le Seigneur. Peux-tu acclamer Dieu pour son serviteur? Amen. J'ai pas préparé un speech, mais j'aimerais vraiment dire que je suis heureux comme si c'est moi-même qui l'ai fait. Vraiment, sincèrement, je suis heureux, très heureux. Et je comprends maintenant ce qui se passe dans les équipes de football. Souvent, je comprends pas la joie du gardien de but.
Aujourd'hui, je comprends. Tu vois, c'est Lionel Messi qui dribble et puis marque, mais le gardien est loin. Ah! Et je me sens comme un gardien. Ah! C'est l'équipe qui a marqué, 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 c'est l'équipe qui a marqué. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la foi du pasteur Ivan et la foi de son épouse Maude et toute l'équipe. Parce que moi, je suis venu ici quand c'était de la boue. Hein. Et je t'assure, je ne pouvais pas croire que tout ça pouvait sortir de là. Mais Dieu l'a fait. Que Dieu bénisse la communauté ICC. Allez plus loin encore et encore. Et nous sommes là, nous vous soutenons. Votre joie est la nôtre. Votre succès est notre succès. Et je vous annonce, un jour, ce sera le temple de la jeunesse. Vous construirez un plus grand temple. Merci beaucoup. Amen. Reçois, 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 reçois mon action de grâce. Reçois ma gloire. Reçois, 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 reçois. Action de grâce, reçois ma gloire. Je veux donner le micro à un frère, à un bien-aimé, qui est le fils spirituel de l'apôtre Roland Dallot, qui n'a pas pu être là, et son épouse qui était censée, donc maman Viviane Dallot, qui était censée être là ce soir. L'avion a été reporté, donc Air France a fait des trucs bizarres, donc. Mais je veux rendre grâce à Dieu pour notre frère qui a. C'est une église. Vous savez, on rend vraiment grâce à Dieu pour notre génération et pour ceux qui ont compris les principes. Et c'est une église qui a donné une contribution importante pour les travaux de la cité royale, notamment pour l'ameublement. Et je veux honorer cette foi. Parce qu'ils ont fait une grosse offrande sacrificielle parce qu'eux-mêmes sont en train de construire et ils ont compris ce que nous, on a compris. L'importance de se connecter aux grâces afin d'accélérer son propre mouvement et sa propre manifestation. Pouvez-vous m'aider à bénir le Seigneur pour le pasteur Ken Luamba sous nos acclamations du Centre missionnaire Philadelphie. Merci. Action de grâce. Reçois, reçois. Bonsoir tout le monde. Je bénis Dieu pour ce moment. Pendant que c'était encore en chantier, je me rappelle, pasteur Maud me faisait visiter et j'ai dit au pasteur Ivan, le jour de l'inauguration, même si tu ne m'invites pas, je viendrai. J'ai voulu assister à ce moment. Pour moi, c'est un clin d'œil. Si Dieu peut le faire ici, c'est qu'il est capable de le faire partout. Et je crois que ce que nous voyons, c'est un clin d'œil de Dieu. Il est en train de nous dire qu'il est avec nous et qu'il nous conduira de gloire en gloire dans cette génération. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Yvonne. Merci, pasteur Maud. Amen, 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 amen. Reçois, 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 reçois. Action de grâce, reçois ma louange. Maintenant, je voudrais donner un mot, laisser la parole à ça, c'est ce qu'on appelle les amis. Waouh, on s'est rencontrés. On marche ensemble depuis combien de temps? On a commencé la même année, le ministère. Et ce que Dieu fait à travers lui, c'est juste extraordinaire. Et il est un message, un témoignage, un prodige,
un signe. Quand je dis lui, je parle de la grâce de Dieu à travers sa vie. Et il est en, et son ministère, son église est en train de démontrer que ce n'est pas une question d'endroit. C'est une question de grâce et de gloire. Parce que c'est un ministère qui, au sein de l'Afrique de l'Ouest, est en train d'écrire une histoire extraordinaire. Et nous sommes fiers de le compter parmi les amis, les frères de la famille Impact Centre Chrétien. Bénédiction pour le royaume de Dieu tout entier, pour la francophonie. Permettez-moi, aidez-moi à accueillir son serviteur, l'oncle de la maison ICC. Reçois. Dieu. Oh, depuis le début, je vous sens pas. Vous êtes content, mais un peu. Et donc, voilà, on est impressionné. Mais on va sérieusement pousser des cris de joie. Bouger de tout côté. Non. Là, tu es encore trop. Je t'ai vu sur, lorsque ton équipe préférée de football gagnait le match. Hein? Est-ce que c'est comme ça que tu célébrais Dieu? Alléluia! Non. C'est bien, mais là. Hein? Bishop Samuel, tu leur donnes combien? Combien? 7 sur 10. Écoutez, quand la France a remporté le mondial, et même à la Coupe du Monde, les Algériens, c'est même pas leur pays. Quand ils sont arrivés, en quel, ils ont passé quel niveau? Ils ont paralysé la France. À cause de la joie de voir leur nation remporter quelque chose d'inédit. Les gens, quand c'est leur pays qui fait quelque chose d'extraordinaire, ils deviennent fous. Les chefs d'État, tout le monde, on oublie le protocole, tout le monde saute, le chef de l'État sauf chez lui. C'est une victoire extraordinaire. La musique joue nous quelque chose que nous célébrons, le roi des rois. Sommons quelque chose de plus. Jésus a gagné. A gagné. On va prier. Alléluia. Lorsque tu es dans ce site et que tu entends ces témoignages, tu as le témoignage que ton Dieu est réel, qu'il est vivant, qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, de toute autorité,
L'or et l'argent sont à lui. Lorsqu'il trouve des hommes et des femmes qui croient, qui rêvent, qui n'abandonnent pas, rien n'est impossible. Les choses qui sont écrites sont réelles. Et quand tu arrives dans ce lieu, tu célèbres la victoire de Jésus et tu dis, Seigneur, si tu l'as fait, c'est que tu es avec moi aussi et tu peux le faire. Et avec moi, tu réaliseras de grandes choses. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Que nous, à qui Dieu a fait la grâce de vivre ces instants, de participer à ces moments, de nous réjouir de ce qu'il a fait, que Dieu fasse de chacun d'entre nous des témoignages. Que dans ta vie, il y ait ta cité royale que Dieu te donne de bâtir. Que tu aies la grâce et la faveur de Dieu de réaliser des exploits avec Dieu. Avec lui, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, nous sommes en train de voir de nos yeux des exploits. Des exploits. Quelqu'un acclame le Seigneur son Dieu. C'est une chanson que j'ai appris lors des croisades de Pasteur Mohamed. C'est une chanson quand Jésus a fait des miracles. N'est-ce pas là un miracle vivant? Ah, voilà pourquoi on chante ce chant. Donc, vous qui ne faites pas des croisades en Afrique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ça suffit à libérer une population et à créer une atmosphère de louange. Ouah, ouah, ouah! Ouah, ouah, ouah. Appeler, vous savez, il y a des rencontres, quand Dieu veut te visiter, Dieu passe par des gens. C'est pour ça qu'il faut bien discerner les relations. Quand le diable veut te visiter, il passe par des gens, mais Dieu aussi passe par des gens. Et je voudrais vraiment donner le micro à une maman par laquelle Dieu est passé pour étirer tant mon épouse que Pasteur Abby, la femme du Pasteur Yves. Des connexions qui ont inspiré, ouvert les yeux, renouveler le système de pensée et elle nous a accueillis. Elle nous a accueillis comme des enfants. Elle a accueilli nos épouses comme des filles. Et ça fait une énorme différence. Quand tu nous vois là où tu nous vois, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont marqué nos vies et qui ont fait de nous les bénédictions que Dieu nous a fait devenir pour des multitudes. Donc je voudrais vraiment adorer le Seigneur pour Pasteur Maman Yem ici, sous nos acclamations. La femme du pasteur Mathieu, assume-le. Come on, ICC, cité royale, Church of God, make some noise. See what the Lord has done. What we waiting, help me, has come to pass. See what the Lord has done.
what the Lord has done. Vois ce que Dieu a fait. This is truly eyes have not seen. Véritablement, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. And it has not come to the understanding of man. Il n'est pas venu à l'intelligence de l'homme. What God has in store for his people. Les choses que Dieu a encore en réserve pour son peuple. I want to take this opportunity. Je veux saisir cette opportunité. To thank God for what he's doing. Pour remercier ICC. Dieu. Pour ce qu'il fait à ICC. And what is yet to be done. Et pour ce qu'il va encore accomplir. I want accomplir. To thank God for the life of Pastor Ivan and Pastor Is. Je veux bénir Dieu pour les vies de Pasteur Ivan, d'Apôtre Ivan, d'Apôtre Pastor Is. Pastor Modestine and Pastor Abby. De Pasteur Modestine, de Pasteur Abby. And the ICC family. Et de toute la famille ICC. Look what the Lord has done. Voyez ce que Dieu a fait. I know I have 3 minutes. Je sais que je n'ai que 3 minutes. But all I want to do is just to read the scripture. Mais tout ce que je veux faire, c'est lire des versets. And I'm going to read Numbers chapter 23. Et je vais lire Nombre 23. Verse 21-23. Versets 21 à 23. There is no misfortune. Il n'aperçoit point d'iniquité. Seen in Jacob. En Jacob. No misery observed in Israel. Il ne voit point d'injustice en Israël. The Lord their God is with them. L'Éternel son Dieu est avec the lui. The shout of the king is among them. Il est son roi, l'objet de son allégresse. And I'm sure you've noticed tonight. Et je suis sûr que vous avez remarqué ce soir. That the shout of the king is here tonight. Que le cri d'un roi est présent en ce lieu. Verse le cri 22. Pour un roi. Verset 22. God brought them out of Egypt. Dieu les a fait sortir d'Égypte. God brought ICC out of Egypt. Dieu a fait sortir ICC d'Égypte. They have the strength of a wild ox. Il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. Verse 23. Verset 23. There is no divination against Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. No divination against ICC. Aucun enchantement contre ICC. No evil omen against Israel. Aucune divination contre Israël. It will now be said of Jacob and Israel. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. It will now be said of ICC. Il sera dit à ICC. See what God has done. Quelle est l'œuvre de Dieu? Vois ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. I just want to read this scripture to bless ICC. Je veux également lire ce passage. Jeremiah chapter 30. Jérémie 30. Verse 19. Verset 19. From them we come song of thanksgiving. Du milieu d'eux s'élèveront des chants de and grâce, the sound des actions of rejoicing. De grâce et des cris de réjouissance. I will add to their numbers, je les multiplierai and they will not be decreased. Et ils ne diminueront point. I will bring them honor, je les honorerai and they will not be disdained. Et ils ne seront pas méprisés. Their children will be as in the day of old. Ses fils seront comme autrefois. And their community will be established before me. Son assemblée subsistera, sera établie devant moi. All who oppress them. Et je châtierai tous ces oppresseurs. I will punish all who oppress ICC. Et je châtierai tous ceux qui oppriment ICC. And the last scripture that I have. Et le dernier passage que j'ai. Psalm 118, verse 15. Et le psaume 118, verset 15. Psalms of joy and victory resound in the tent of the righteous. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. The Lord's right hand has done mighty things. La droite de l'Éternel manifeste and sa we can puissance. See the mighty things that God has done. Et nous pouvons voir les choses magnifiques et and puissantes I want que tu as faites. Et je veux qu'il sait that God who began a good work in you, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il est fidèle and he will perfect it in et the name il l'accomplira certainement au nom this de is Jésus. Just the beginning. Ceci n'est que le commencement of the great and mighty things de choses grandes et puissantes that God is about to do. Que Dieu est sur le so point ICC de faire. Worldwide, donc ICC à travers get le monde. Ready. Préparez-vous. Because God will be glorified. Parce que Dieu sera glorifié. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. What are we waiting for? Has come to pass. Ce que nous avons attendu, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais donner la parole à
donner la parole à... Alors, si tu me vois et que je ne te dis pas bonjour, ça veut dire que ce n'est pas moi. On a quand même pas mal de monde à ICC depuis un an. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu. Donc, il a fallu que Dieu le tire et Dieu vraiment l'oblige, le contraigne à être là. Et la Cité Royale, en vérité, c'est pas... Bon, c'est vrai que j'ai reçu ça, mais la vérité, c'est qu'on l'a porté tous ensemble. C'est une aventure de 4 personnes. Et en vérité, depuis le début. Et si on est là aujourd'hui, ce sont les 4 grâces qui ont poussé, les 4 personnes qui ont poussé. Donc je veux vraiment honorer, rendre grâce à Dieu. Alors, je vous préviens, c'est pas moi. Un jour, je suis allé à Brazzaville, à l'hôtel, avec ma femme. Et quand on arrive à l'hôtel, le réceptionniste, me voyant monter dans l'ascenseur avec ma femme, me regarde attentivement et tout de suite j'ai su ce qu'il pensait, parce que comme on est deux et que lui il est très connu à Brazzaville, j'ai compris qu'il se disait: le DG est avec une femme. Donc je suis allé à la réception, j'ai dit au réceptionniste: hey, moi, je ne suis pas lui, je suis l'autre. J'habite en France. Ça, c'est ma femme. Pouvez-vous m'aider à bénir le Seigneur pour l'apôtre des églises Impact Saint Chrétien, Pasteur Yves et Abby Castanou. Oh, mais fais du bruit. Le seul mot qui sort de ma bouche ce soir, c'est « waouh ». Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, tu l'as fait. Amen. Nous étions comme dans un rêve, mais ce rêve est devenu réalité. Et ce soir, nous voulons vraiment bénir Dieu, rendre d'excellentes actions de grâce. Vous savez, dans des moments pareils, les choses sont tellement belles qu'on ne sait même pas quoi dire à Dieu. Tout ce qu'on peut dire, c'est: Seigneur, merci. Merci du plus profond de notre cœur. Merci parce que nous l'avons pensé, nous l'avons rêvé. Mais toi, tu as mis tout en œuvre afin que ce que tu avais proclamé avant même la fondation de ce monde, tu l'as accompli par ta main puissante. Alors nous voulons ce soir tellement rendre grâce à Dieu. C'est un moment de joie, un moment de festivité. Alléluia! Waouh! Et nous voulons aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour des personnes merveilleuses. Des personnes merveilleuses que le Seigneur nous a données. Vous savez, comme on dit, les pères donnent des repères. Et le Seigneur nous a donné, Pasteur Mathieu et Maman Yemissi, des parents formidables qui ont cru en nous alors qu'il n'y avait pas encore le moyen de croire en nous. Maman Yemissi, comme a dit Pasteur, ils vont tout à l'heure. Apôtre, ils vont, pardon. Amen. Comme l'a dit l'apôtre, ils vont. Maman Yemissi nous a prises comme des filles alors que nous ne nous connaissions pas. Maman Yemissi, ce soir, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie. Merci pour la mère merveilleuse que tu es pour nous. Merci de nous avoir accueillis. Merci parce qu'aujourd'hui, si Pasteur Maud et moi, nous sommes là où nous sommes, c'est parce que Dieu t'a beaucoup utilisé pour cela. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, nous sommes dans la joie de célébrer ce temps avec toi. Gloire à Dieu pour ta vie. Et je prends le temps de bénir Dieu pour Dad, Pasteur Mathieu. Waouh! Un père merveilleux et excellent que Dieu nous a donné. Vraiment, papa, merci.
Merci d'avoir cru en nous. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir tapé des fois, mais ça sert à quelque chose. Amen. Il nous a poussé. Le Seigneur l'a vraiment servi de lui pour nous pousser. Et si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est que papa, notre dad, a été pour quelque chose. Le Seigneur l'a vraiment utilisé pour cela. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'acclamer? Nous voulons honorer Pasteur Mathieu. Nous voulons honorer Pasteur Yemisi. Merci pour tout. God bless you so much. We love you. You are such a blessing for us. God bless you. Merci Seigneur pour toutes les années, les nombreuses années encore qui vont vivre pour encore nous aider, nous conseiller et nous conduire dans toutes choses. Amen. Et je vais prendre le temps aussi de rendre grâce à Dieu. Le temps est fini. Alléluia. Non, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'on le fasse. Je sens qu'on doit le faire, on doit le faire. Amen. Je prends le temps de rendre grâce à Dieu pour Pasteur Carambiri qui n'a pas pu être là et Maman Hortense. Des parents merveilleux que Dieu nous a donnés. Oui, ce sont des parents qui ont contribué dans nos vies. Le temps ne doit pas compter lorsqu'on prend le temps d'honorer les parents. Les secondes ne doivent pas compter lorsqu'on doit prendre le temps d'honorer nos parents. Et ce soir, je prends le temps pour le faire parce que c'est ce que j'ai à cœur de faire. Si nous sommes là ce soir, c'est que ses parents ont contribué de beaucoup. Vous n'avez pas idée de ce que ses parents ont semé dans nos vies. Alors que Dieu les bénisse abondamment. Papa Carambiri, tu n'es pas là avec nous ce soir. Mais nous voulons te dire que nous t'aimons, merci. Maman Hortense, tu n'es pas là, mais nous voulons te dire que nous t'aimons, merci pour vos conseils, merci pour tout. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, je vais m'arrêter. Amen. Amen. Vous savez, je ne sais pas trop quoi dire. Il y a beaucoup de choses qui montent. Je voudrais d'abord, comme a dit le pépé, vous savez, la Bible dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Amen. Et la Bible dit que Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. En vérité, au début, ce n'était pas ça. Dieu a fait au-delà. Ce n'était pas ça. Mais Dieu est passé par des hommes. Et le pépé, pasteur Yvonne, on l'appelle pasteur principal, on dit pépé. Vous qui ne connaissez pas là, c'est pépé. Donc si tu ne connais pas pépé, c'est pasteur principal. Il est apôtre, mais il est pépé. Quelqu'un dit pépé. Pépé. Voilà, comme ça, moi c'est le frère. Lui c'est le pépé. Tu as compris, non? Donc on est ensemble. Non, je voudrais, vous savez, voilà, c'est, Dieu peut faire infiniment, abondamment, mais Dieu passe par les hommes. Si l'apôtre Yvonne et maman Maud n'avaient pas eu la foi dans ce projet, le projet n'aurait pas vu le jour. S'ils ne s'étaient pas attachés à Dieu, le projet n'aurait pas vu le jour. Voilà pourquoi, en les honorant, nous faisons bien de les honorer. Et en les honorant, en vérité, nous honorons la grâce de Dieu qui est sur eux. Nous honorons leur foi. Quelqu'un dit amen. Moi, honnêtement, quand je vois toutes ces choses que je vois, j'ai deux sentiments qui m'animent. En fait, j'en ai plusieurs, mais deux que je voudrais partager. Premier sentiment, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité ? Parce que quand Dieu fait au-delà de ce que vous pensez, demandez ou même espérez, il faut rester humble. Et c'est ce que le pépé, maman Maud, vous disent tous les jours. Et là, je ne parle pas à eux, parce que je parle au contraire à nous tous. Et à ceux d'ICC, et à ceux qui ne sont pas d'ICC, nous sommes un même corps. Pasteur Marcelo n'arrête pas de le dire, nous sommes une même famille. Nous devons rester vraiment humbles devant la magnificence de ce que Dieu a fait ici. Et le local est tellement beau que nous ne devons pas oublier que celui qui est beau, ce n'est pas le local. Celui qui est beau, ce n'est pas le local, mais c'est celui qui a fait ces choses, c'est Jésus le Christ. C'est le Père, il a fait ça par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Non, parce que le peuple dit toujours la même chose, mais il y a toujours des gens qui vont venir, qui vont tellement être éblouis par la beauté des lieux, qu'ils vont oublier qu'il fallait être éblouis par celui qui a fait, c'est Jésus le Christ. Quelqu'un dit amen. Et donc voilà, nous sommes vraiment reconnaissants avec beaucoup d'humilité pour ce que Dieu a fait. Et la deuxième pensée qui me vient, c'est, vous voyez, dans Colossiens 2, verset 6, là encore, quand Dieu a fait beaucoup trop, au-delà de ce que nous pensons, dans Colossiens 2, verset 6, il est écrit, « De même que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il dit, marchez en lui, soyez enracinés en lui, fondés en lui, bâtissez vos vies sur lui. » Mais à la fin, il dit, « Abondez en action de grâce. » Et une des autres définitions de ce mot abonder en action de grâce, quand vous voyez ce que Dieu fait dans vos vies, et pasteur Marcelo le disait, quand on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il fera demain. Et un autre mot pour abonder en action de grâce, c'est exagérer.
Parce que Dieu a exagéré. Donc toi, comme tu vois que Dieu a exagéré, toi aussi, exagère en appréciation, exagère en gratitude, abandonner, faut exagérer. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut exagérer en remerciement ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire à Dieu, Seigneur, je veux exagérer en action de grâce? Oh, mais que tes mains acclament Dieu avec exagération. Exagère en action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu avec exagération pendant 10 secondes et nous terminons? Quelqu'un donne un bon amen. Donc voilà pourquoi le chant là, quand on chante, nous on chante ça dans les campagnes. Moi aussi j'ai copié Pasteur Mohamed. Mon ami, quand quelque chose de bon, faut copier. Pasteur Mohamed, il y a deux choses qu'on a copiées. C'est mon frère. Mais là, on met les villes en feu. Et bien on dit, qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Non, vous n'êtes pas au bon niveau. Bon, quelqu'un dit, One, two, three. Mais il fallait déjà aller. Qui a fait ça? Jésus a gagné. Je veux qui? Pas en bas. Alors enfin, avant de terminer, je voudrais, vous savez, j'insiste, hein, quand Dieu veut te conduire quelque part, il te connecte à plusieurs types de personnes. Il te donne des amis, et quand on a commencé, Dieu m'a connecté au pasteur Mohamed. Mais il te donne aussi des pères, pour te faire gagner du temps. Pas seulement pour mettre des repères. J'ai compris qu'il y a des manteaux qui se promènent dans chaque génération, dans chaque époque. Et que les pères, certains pères, pas tout le monde, en fonction de ce que Dieu a fait d'eux, Dieu a fait par eux, Dieu a fait en eux, il y a des gens qui transportent des grâces, des manteaux. Et on ne serait pas là, sincèrement. C'est Dieu qui fait, mais il passe par les gens. On ne serait pas là s'il n'était pas passé par deux pères. Comme a dit Pasteur Abi, Papa Karambiri et Pasteur Mathieu. Un jour, c'était en janvier 2021, c'était le 1er janvier. J'ai été réveillé par la voix qui me parle d'habitude, et il m'a posé une question. Et je vous demande de m'écouter attentivement, parce que après je vais tourner, passer le micro, mais écoutez-moi attentivement. Parce qu'il me met à cœur de vous parler de ça. Et puis, le 1er janvier 2021, j'ai été réveillé par sa voix et il m'a dit, je vous ai donné deux pères, ton frère et toi. C'était atypique. Je vous ai donné deux pères. Un, c'est le pasteur Karambiri, parce que c'était l'autorité spirituelle, reconnue, crédible, le père dans la francophonie, respecté et qui avait duré. Certains sont venus, sont partis. Lui, il demeure. Et je voulais donner comme père parce que je voulais vous établir. Non pas comme l'autorité, mais comme faisant partie des gens que je vais établir dans la francophonie pour tirer et inspirer la francophonie. Et élever les standards, monter le niveau. Et je vous ai donné Pasteur Mathieu. Pour ceux qui ne savent pas, Pasteur Mathieu, que nous on appelle Dad,
Pasteur Matthew est le premier pasteur noir au Royaume-Uni. Il avait, il y a 20 ans, la plus grande église d'Europe de l'Ouest. C'était Pasteur Matthew. C'est le premier pasteur noir à avoir atteint, franchi le cap de la méga church au Royaume-Uni. 1000 personnes. C'est le premier pasteur dans l'histoire du Royaume-Uni. Parce que quand on a commencé ICC en 2022, Dieu nous a dit de l'honorer. 2002, oh miséricorde, 2002. Dieu nous a dit de l'honorer, de le reconnaître. Et nous ne nous connaissions pas. Mais on a eu à cœur de l'honorer jusqu'à aujourd'hui, toujours. Et donc, j'étais sur quoi? Oui, c'est le pasteur, merci mon bébé. C'est elle qui m'a aidé, c'est pas toi. C'est le premier pasteur noir à avoir dépassé le cap de la méga church. Pasteur Matthew est le premier pasteur noir à avoir acheté un bâtiment en Angleterre. Ça c'était à Downey Road. C'était un bâtiment où, quelque part à Londres, un bâtiment à étage qui pouvait prendre, je pense, 1000 places, c'est ça? Et pasteur Matthew également est le premier pasteur noir en Angleterre à avoir eu la plus grande église de plusieurs milliers de personnes. Et il a acheté, il y a plusieurs années en arrière, et c'est là qu'on a été pour la conférence en 2002, la plus grande église, le plus grand site, le plus grand lieu de culte jamais vu par une église protestante évangélique au UK, au Royaume-Uni. Et ce 1er janvier 2021, le Saint-Esprit m'a posé la question. As-tu remarqué que pasteur Matthew est le premier pasteur noir à avoir dépassé la méga church? Et que toi, à travers toi, tu es le premier à avoir dépassé la méga church noire en France? Première question. Deuxième question, as-tu remarqué que vous êtes la première église dirigée par un pasteur noir, afro-péen comme ils disent ici, et qui a acheté un bâtiment qui valait quand même, bon, à l'époque, c'était 1 200 000, mais c'était beaucoup à l'époque. On parle de 2008, c'était énorme. Deuxième question. Est-ce que tu as remarqué que tu es le premier pasteur noir à avoir construit en France un bâtiment qui n'a jamais été vu en Europe, avec un niveau de cachet, un niveau d'excellence, et même la taille, mais surtout le cachet? Et la voix m'a dit, tu penses que c'est un hasard? Il m'a dit non. Je t'ai transféré le manteau des pères. Alors je dis ça pour... quand tu vois le palais de gloire construit à Brazzaville, c'est la même chose. Même cachet, même grâce. Je veux juste reconnaître, vous voyez, j'ai appris que l'onction, l'appel, la sincérité, la bonne foi ne divisent pas la mer Rouge, ni le Jourdain. Ça ne divise pas le Jourdain. Le Jourdain se divise seulement lorsqu'on est capable de dire que l'esprit de Élie est sur Élisée. Alors ça m'a rendu, parfois, ça m'a rendu humble parce que j'ai compris qu'en fait, il n'y a rien qui vient de nous. Et qu'il y a des grâces et des capacités surnaturelles, des manteaux spirituels qui viennent sur nous, qui nous rendent capables de faire ce que Dieu veut enfanter. Mais il faut honorer les pères. Parce que quand tu les honores et tu les sers avec un cœur d'humilité, pas pour prendre un manteau, juste parce que tu veux les servir sans chercher le gain. Alors j'ai découvert qu'en fait, il faut être humble. Quand tu vois ce que Dieu fait à travers toi, et toujours te rappeler d'où ça a commencé et comment Dieu a pris ce qui était sur les pères et puis l'a mis sur toi. C'est pour ça qu'il faut être humble, parce qu'en fait, il n'y a rien qui vient de toi. C'est tout n'est que grâce, en fait. Voilà pourquoi j'ai vraiment à cœur d'honorer. Je suis vraiment reconnaissant.
et même financièrement. Financièrement. Pasteur Mohamed va. Pasteur Mohamed et nous, même histoire. Nous, étant francophones, on a été délivrés de la manière, la culture francophone, la mentalité francophone avec l'argent. Quand c'est Dieu, chez les francophones, quand c'est Dieu, quand c'est pour moi, je mets le meilleur de ma propre maison. Quand c'est la maison de Dieu, je donne des miettes. Et c'est en connectant à Pasteur Mathieu, au monde anglophone, que notre système de pensée a été transformé pour s'aligner sur la pensée du royaume. Il a été l'instrument de notre délivrance de la médiocrité et d'offrir ce qui est pas cher à Dieu. Et nous sommes une génération qui a décidé qu'à travers nous, Jésus sera respecté. On ne dira plus pauvre comme un rat d'église. On ne dira plus si c'est chrétien, c'est médiocre, c'est normal, ce sont des chrétiens. Non. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est le pasteur Mathieu qui nous a tirés et étirés et remués. Et parfois, quand il faisait des appels, la cité royale, c'est pasteur Mathieu qui a beaucoup parlé sur nos vies. Et ICC s'en souvient. Tous les gens qui sont là depuis un moment se souviennent de ce que c'est pasteur Mathieu. Et quand pasteur Mathieu fait des appels pour donner, nous tous, on avait juste, on a toujours juste envie de donner, de se lever pour donner massivement, de manière sacrificielle, parce qu'on a vu le bénéfice que ça a apporté sur nos vies, comment on donne et reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Mais Dieu est passé par quelqu'un, en fin de compte, pour susciter cet élan de mobilisation financière au-delà d'ICC. Et c'est pasteur Mathieu qui était l'instrument. Alors, je veux vraiment bénir Dieu d'Ad. Je veux vraiment qu'on honore le Seigneur pour lui. Et je vais lui donner le micro. C'est le Père. Et la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Je vous demande de m'aider à honorer celui par qui Dieu est passé pour nous emmener là. Oh, s'il te plaît, fais mieux que ça. Parce que c'est la grâce qui est sur sa vie qui a parlé sur ICC. C'est la grâce qui est sur sa vie qui parle sur base d'honneur. Voilà pourquoi notre acteur soit si linéaire. Et nous voulons vraiment prendre le temps de bénir Dieu. De nous avoir donné de telles paix. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ton serviteur. Thank you, là, thank you, là, thank you, là. Merci beaucoup. Wherever you are tonight, hearing the sound of my voice. Toute personne ce soir au son de ma voix. Put your hands together to the King of all kings. Que quelqu'un acclame le roi de tous. The Lord of lords. Le Seigneur des seigneurs. The Alpha and Omega. L'Alpha et l'Omega. The beginning and the end. Le commencement et la fin. Our God is awesome. Notre Dieu qui est magnifique. Our God is absolutely awesome. Notre Dieu est absolument magnifique. Come and magnify the Lord. Seigneur. Amen. Amen. Everything in the Bible has a reason. Tout dans la Bible a une raison. There are three reasons why they clap in the Bible. Don't clap yet. Il y a trois raisons pour lesquelles on acclame dans la Bible, n'acclamez pas encore. The first reason they clap in the Bible is to announce war against the enemy. La première raison pour laquelle ils acclament dans la Bible, c'est pour annoncer la guerre contre l'ennemi. The second reason they clap in the Bible is to announce victory over Satan. La deuxième raison pour laquelle ils acclament, c'est pour annoncer la victoire sur Satan. The third reason they clap in the Bible is to welcome the King of Kings to the royal city. Et la troisième raison pour laquelle ils acclament dans la Bible, c'est pour accueillir le roi des rois à la cité royale. Donc, you may be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Such a great joy to be here tonight. C'est une si grande joie d'être ici ce soir. And I'm not going to preach. Je ne vais pas prêcher. I'm just going to bless. Je vais simplement bénir. I'm going to speak a blessing into your life. Je vais déclarer une bénédiction sur vos vies. Because you are in royal city, you are part of those who made this happen. Parce que vous êtes à la cité royale, vous faites partie de ceux qui ont réalisé ceci. You are part of those who made the vision a reality. Vous êtes de ceux qui avaient fait de cette vision une réalité. And I'm going to agree with you that every blessing, everything God has for you will come to pass. Et je vais m'accorder avec vous que chaque bénédiction, que tout ce que Dieu a pour vous
se Before réalise. I do so, I want to first of all celebrate Pastor Ivan and his dear wife, Pastor Maud. Avant cela, je veux tout d'abord célébrer Pasteur Ivan, sa chère apôtre Ivan, sa chère épouse, Pasteur Maud. I want to celebrate Pastor Eve and his dear wife, Pastor Abby. Put your hands together for them. Je veux célébrer Dieu pour la vie d'apôtre Eve et de Pasteur Abby. Acclamez le Seigneur pour leur vie. 22 years ago, Pastor Ivan booked an appointment to see me in London. Il y a 22 ans, apôtre Ivan a pris rendez-vous pour me voir à Londres. I gave him 30 minutes, it ended up being 4 hours. Je lui ai donné 30 minutes, on s'est retrouvé là 4 heures. There are many people you walk with to help make their vision happen. Il y a plusieurs personnes avec qui vous marchez pour les aider à réaliser leur vision. Some you cannot bless because they already have an opinion. Pour certains, vous ne pouvez pas les bénir parce qu'ils ont déjà formé une opinion. But when people are open, then they will go where God wants to take them. Mais quand les gens sont ouverts, alors ils iront là où Dieu veut qu'ils aillent. And I cannot forget that ICC used to be somewhere in the basement. Et je ne peux pas oublier qu'ICC était quelque part dans un sous-sol. But look what the Lord has done. Mais voyez ce que Come Dieu a fait. Celebrate the Lord tonight. Que quelqu'un célèbre le Seigneur. Give God the biggest glory que you quelqu'un can donne toute la gloire à Dieu. Give him the glory. Que quelqu'un lui donne la gloire. Give him the glory. Que quelqu'un lui donne la gloire. I want you to know the Bible says eye hath not seen. Je veux que vous sachiez que la Bible nous dit que l'œil n'a pas vu. Ear hath not heard. Que l'oreille n'a pas entendu. It hasn't come to the understanding of man. Et qu'il n'est pas venu à l'intelligence de l'homme. What God has in store for those who trust him. Les choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment, qui lui font confiance. So while I stand on this altar tonight. Et donc alors que je me tiens sur cette chaire ce soir. The next couple of minutes. Dans les quelques minutes qui viennent. I believe in speaking a blessing over your life. Je crois que je vais déclarer une bénédiction sur vos vies. This night of the dedication of this place. Cette nuit d'inauguration, de dédicace de ce I lieu. I prophesy on everyone hearing me. Je prophétise sur chaque personne qui m'entend. May you be victorious. Que vous serez victorieux. May you be more than a conqueror. Que vous soyez plus que vainqueur. May you overcome by the blood of the Lamb. Que vous ayez la victoire par le sang de l'agneau. May the word of your testimony manifest. Que votre témoignage se manifeste. May God fill you with victory at all times. Que Dieu vous remplisse de victoire en tout temps. From this day, the favor of the Lord will surround you. À partir de ce jour, la faveur du Seigneur vous entoure. Favor will never cease in your house. La faveur n'arrêtera pas de se manifester dans votre maison. I declare to your life, God will go before you and make crooked places straight. Je déclare dans votre vie que Dieu ira au devant de vous et il va rendre droit tout chemin escarpé. Doors will open for you. Les portes s'ouvriront pour vous. The God who opened the door for ICC Paris will open doors for you. Le Dieu qui a ouvert les portes pour ICC Paris ouvrira les portes pour vous. From today, the power of God will rest on your life. À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu repose sur votre vie. The Holy Spirit will work in your life. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans votre vie. Things that were hidden from you will be exposed to you. Les choses qui vous étaient cachées vous seront exposées. I declare God will open your eyes. Je déclare que Dieu ouvrira vos yeux. You will walk the walk of a victorious person. Vous marcherez en vainqueur. From this day, the anointing of God will rest on your life. À partir de ce jour, l'onction de Dieu repose sur votre vie. You will prosper going out. Vous prospérerez à votre sortie. You will prosper coming in. Vous prospérerez à votre retour. You are in the house of success. You will succeed. Vous êtes dans une maison de réussite. Vous réussirez. God has anointed you to be head. You will not be tail. Dieu vous a oint pour être la tête. Vous ne serez pas la queue. You will always be above only. Vous serez toujours au-dessus. From this day, everyone within the reach of my voice. À partir de ce jour, chaque personne au son de ma voix. I command healing on your body. Je commande la guérison sur votre corps. Be delivered from sicknesses. Soyez délivrés des maladies.
Be delivered from diseases. Soyez délivrés de toute infirmité. Be delivered from infections. Soyez libérés de toute infection. Be delivered from viruses. Soyez délivrés de tout virus. From today, the stripe of Jesus heals your body. À partir d'aujourd'hui, les meurtrissures de Jésus guérissent votre corps. I lay hand on you where you are, hearing the sound of my voice. J'impose la main sur vous là où vous êtes, au son de ma voix. I deliver you from fear and anxiety. Je vous délivre de la peur et de l'anxiété. You shall not be afraid. Vous ne craindrez rien. God will be with you. Dieu sera avec vous. You will be a stranger to failure. Vous serez étranger à l'échec. You'll be a stranger to failure. Vous serez étranger à l'échec. No weapon formed against you will prosper. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. The works of the enemy against you will fail. Les œuvres de l'ennemi contre vous vont échouer. If you are hearing my voice here or around the world, si vous êtes ici au son de ma voix ou quelque part dans le monde, I command you to recover from all sicknesses. Je commande que vous guérissiez de toute maladie. I command you to recover from all sicknesses. Je vous commande de récupérer, de guérir de toute maladie. We pray for you from the royal city. Nous prions pour vous depuis la cité royale. The King of Kings will reign in your life. Le roi des rois régnera dans votre vie. The King of Kings will reign in your life. Le roi des rois régnera dans votre vie. You'll be blessed going out. Vous serez béni à votre sortie. You'll be blessed coming in. Vous serez béni à votre retour. Everything you lay hands on will be blessed. Tout ce que vous touchez sera béni. From this day, doors will open for you. À partir de ce jour, les portes s'ouvrent devant vous. Glory will be on your life. La gloire reposera sur votre vie. Testimony will follow you. Des témoignages vous accompagneront. Shout amen with fire. Criez amen avec une feu. Wherever you are hearing the sound of my voice. Où que vous soyez au son de ma voix. In the name that is above all names. Au nom qui est au-dessus de tout nom. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. The one who called me to ministry. Celui qui m'a appelé au ministère. Which I have done this 50 years. Dans lequel je suis depuis 50 ans. As I speak these 50 blessings. Alors que je déclare ces 50 bénédictions. These 50 blessings. Ces 50 bénédictions. They shall rest on your life. Reposeront sur votre vie. They shall rest on your house. Elles reposeront sur votre vie. They shall rest on your family. Elles reposeront sur votre famille. Are you ready? Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? In the name above all names. Au nom au-dessus de tout nom. I release favor on your life. Je relâche la faveur sur votre vie. I release divine lifting into your life. Je relâche une élévation divine sur votre vie. Can I hear your amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? For the seed you have sown, you shall be rewarded. Pour la semence que vous avez posée, vous serez récompensé. From today, God will set to you. À partir d'aujourd'hui, Dieu vous établit. God will set to you. Dieu vous établit. I declare divine promotion into your life. Je déclare une promotion divine dans votre vie. I declare divine promotion into your life. Je déclare une promotion divine dans votre vie. ICC, ICC, you will go from harvest to harvest. Vous irez de moisson en moisson. From harvest to harvest. De moisson en moisson. From harvest to harvest. De moisson en moisson. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Wherever you are hearing my voice tonight. Que vous soyez au son de ma voix ce soir. I release restoration into your life. Je relâche la restauration dans votre vie. Restoration of glory. Restauration de gloire. Restoration of favor. Restauration de faveur. Restoration of blessing. Restauration de bénédiction.
Tonight I declare to your life. Ce soir je déclare dans votre vie. The barriers are broken. Les barrières sont brisées. 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 From tonight receive breakthrough. À partir de ce soir recevez la percée. From tonight you will break forth. À partir de ce soir vous allez percer en avant. You will break forth. Vous allez percer en avant. Wherever you are hearing my voice tonight. Où que vous soyez au son de ma voix ce soir. I speak into your life today. Je déclare dans votre vie aujourd'hui. From this night. À partir de cette July nuit. July the 5th. Le 5 juillet. And the rest of your life. Et pour le restant de vos and jours. And the rest of this year. Et pour le restant de cette année. Receive new things from God. Recevez de nouvelles choses new de Dieu. God. De nouvelles choses de new Dieu. From de God. Nouvelles choses de new Dieu. De God. Nouvelles choses de new Dieu. De God. Nouvelles choses de new Dieu. De God. Nouvelles choses de Dieu. Tonight I stand on this altar. Ce soir je me tiens sur cette chaise. And I prophesy to your life. Et je prophétise dans votre vie. If you can say a strong amen, I si declare you will prosper. Si vous pouvez dire un amen retentissant, je déclare que vous prospérerez. You will prosper. Vous prospérerez. You will prosper. Vous prospérerez. You will prosper. Vous prospérerez. Tonight on this altar. Ce soir sur cette chaise. At Royal City. À la cité royale. I prophesy on somebody. Je prophétise sur quelqu'un. In a world that is full of trouble. Dans un monde rempli de troubles. You will operate with peace of mind. Vous opérez avec la paix. You will operate with peace of mind. Vous opérez avec une paix entière. Shout amen with fire. Criez amen comme du feu. Tonight on this altar. Ce soir sur cette chaise. I prophesy on somebody. Je prophétise sur quelqu'un. You shall be fruitful in the land. Vous produirez. Vous serez fécond dans le pays. You shall be fruitful in the land. Vous serez fécond dans le pays. You shall be fruitful in the land. Vous serez fécond dans le pays. Shout amen. Criez amen. Wherever you are hearing me tonight. Ou que vous soyez à l'écoute de ma voix the next ce soir. One, you need to say a powerful amen. Pour la prochaine bénédiction, vous devez dire un amen puissant. While we're here celebrating. Alors que nous sommes ici à célébrer. There could be someone who can't handle a blessing like this. Il y a peut-être quelqu'un qui peut pas supporter une bénédiction comme ça. So I turn it round. Et donc je le retourne. And I prophesy to your life. Et je prophétise dans votre you vie. You will experience enviable progress. Que vous aurez une progression enviable. Enviable progress. Une progression enviable. Enviable progress. Une progression enviable. Enviable progress. Un progrès, une progression enviable. From tonight, à partir de ce soir, God will take you to a higher level. Dieu vous emmène à un niveau élevé. A greater level. Un niveau plus haut. From tonight, à partir de ce soir, your dream will be fulfilled. Votre rêve s'accomplira. Your dream will be fulfilled. Votre rêve s'accomplira. From tonight. À partir de ce soir. From tonight. À partir de ce soir. You will move upward. Vous allez aller en haut. You will not go down. Vous n'allez pas vous enfoncer. You will move upward. Vous allez vous élever. You will not go down. Vous n'allez pas vous enfoncer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Blessing number 20. Bénédiction numéro 20. The Bible says. La Bible nous dit. Who has seen this house in its former condition? Qui a vu cette maison dans son premier état? Who has seen this house in its former condition? Qui a vu cette maison dans son but état the glory premier? Of this present house. Mais la gloire de cette maison shall be greater than the former. Sera plus grande que celle de l'ancienne. Pastor Maud brought me to a dusty warehouse. Pastor Maud m'a emmené dans des entrepôts pleins de poussière. She said this will be there. Elle a dit ici il y aura ça. That will be there. Et puis là-bas il y aura ça. Suddenly my daughter became a project manager. Et soudain ma fille est devenue un gestionnaire de projet.
I prophesy on you tonight. Je prophétise sur vous ce Everyone soir. Everyone hearing me. Toute personne au son de ma voix. Receive significant improvement. Recevez une amélioration significative. Significant change. Un changement significatif. Significant improvement. Une amélioration significant significative. Change. Un changement significatif. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. From tonight. À partir de ce soir, I prophesy on you. Je prophétise sur Major vous advancement. Une avancée majeure. Look at me. Regardez-moi. Major advancement. Une avancée majeure. Major advancement. Une avancée majeure. Blessing number 22. Bénédiction 22. You will break new ground. Vous allez entrer dans de nouveaux You will territoires. Break new ground. Vous allez entrer dans de nouveaux You will territoires. Break new ground. Vous allez entrer dans de nouvelles You will terres. Break new ground. Vous allez entrer dans de nouveaux projets. What no one has done in the Francophone world. Ce que personne n'a fait dans le monde francophone. You will break new ground. Vous allez entrer dans de nouveaux Break terres. New ground. Vous allez entrer dans de break new ground. Entrer dans de nouvelles terres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tonight, I prophesy. Ce soir, je prophétise. You will rise to a new level. Vous allez vous élever à une nouvelle dimension. Tonight, I prophesy. Ce soir, je prophétise. They shall announce your testimony. Ils annonceront votre témoignage. There will be a divine announcement. Il y aura une annonce divine. Shout amen with fire. Amen avec du feu. Tonight, I prophesy. Ce soir, je prophétise. Just like Pastor Ivan said. God came into the room and tapped him on his shoulder. Tout comme Pasteur Ivan a dit que Dieu est entré dans la salle et l'a tapé à l'épaule. If you can say a strong amen tonight, si vous receive pouvez dire divine un amen visitation. Ce soir, recevez une visitation divine. Recevez une visitation receive divine. Recevez une visitation divine. Receive divine visitation. Somebody's hearing me tonight. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Receive divine selection. Recevez une sélection divine. Receive divine selection. Soyez divinement sélectionné. God will surprise you. Dieu vous surprendra. I lay hand on somebody here today. J'impose la main sur quelqu'un ici aujourd'hui. I want your amen to be strong. Et je veux que votre amen retentisse. I prophesy. Je prophétise. God will use you as his advertisement. Dieu vous utilisera pour faire sa publicité. God will use you to advertise vous himself. Serez le panneau publicitaire God de Dieu. God will use you to advertise himself. Dieu vous utilisera pour God faire sa pub. God will use you to advertise himself. Dieu vous utilisera pour faire sa pub. I prophesy on you tonight. Je prophétise sur vous ce soir. You shall be relevant in the land. Vous serez à la page dans le pays. You shall be relevant in the vous gospel. Serez de l'importance dans le milieu de l'évangile. You shall be relevant in your nation. Vous aurez de l'importance dans votre nation. I'm going to repeat that again. Je vais le répéter encore. Too many people who are not born again are occupying the political space. In the francophone world. Trop de personnes qui ne sont pas nées de nouveau occupent la sphère politique dans le monde francophone. So many of our nations are not making progress. Donc plusieurs de nos nations ne progressent pas. When I prophesy now, I want your amen to be powerful. Et donc quand je vais prophétiser maintenant, je veux que votre amen retentisse avec Matter puissance. Of fact, I want you to say the amen three times. En fait, je veux même que vous disiez amen trois fois. Whether you came from Tahiti, que vous veniez de Tahiti, Pointe Noire, de Pointe Noire. Martinique. De Martinique. Guadeloupe. De Guadeloupe. Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Togo. Du Togo. Bénin. Du Bénin. Démocratique République du Congo. De la RDC. Belgium. De la Belgique. France. De la France. Niger, République, Sénégal, du Niger, Mali, du Sénégal, Where du Mali, d'où que vous soyez venus ce soir, I want your amen to be three times. Je veux que vous disiez amen trois fois. I speak into your destiny. Je déclare dans votre destinée. I declare you shall be relevant. Je déclare que vous aurez de l'importance. Say amen three times. Dites amen trois fois. Receive divine recognition. Recevez une reconnaissance divine.
Receive unusual help. Recevez un secours hors du commun. You shall be remembered. Dieu se souviendra de vous. L'on se souviendra de vous. You shall be remembered. On se souviendra de vous. You shall be remembered. On se souviendra de vous. You shall be remembered. On se souviendra de vous. And God remembered Noah in the ark. Dieu se souvint de Noé dans l'arche. And God remembered Sarah. Et Dieu se souvint de Sarah. And God remembered Rachel. Et Dieu se souvint de Rachel. You shall be remembered. On se souviendra de vous. You shall be remembered. On se souviendra de vous. Somebody hearing me tonight. Quelqu'un qui m'entend ce soir. Receive unusual help. Recevez une aide hors du commun. Receive unusual help. Recevez une aide hors du commun, inhabituelle. Every church here. Chaque église représentée. Every business here. Chaque entreprise représentée. Receive unusual expansion. Recevez une expansion hors du commun. Receive unusual expansion. Recevez une expansion hors du commun. Receive unusual expansion. Recevez une expansion hors du commun. Receive unusual expansion. Recevez une expansion hors du commun. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Mercy will be in your house. La miséricorde s'établira dans votre maison. Joy and gladness will be in your house. La joie et l'allégresse seront dans votre maison. Young men and women. Jeunes hommes, jeunes femmes. 20 to 40. Les jeunes prodiges de 20 à 40 ans. From today. À partir d'aujourd'hui. Receive new ideas. Recevez de nouvelles idées. Receive new ideas. Recevez de nouvelles idées. Receive creative ideas. Recevez des idées créatives. This is beautiful. Ceci est beau. Receive creative ideas. Recevez des idées créatives. Receive new ideas. Recevez de nouvelles idées. Shout amen with power. Crie amen avec du feu. From today. À partir d'aujourd'hui. Receive success. Recevez la réussite. Receive good health. Recevez une bonne santé. Receive replenishment. Recevez un remplissage. Receive good results. Recevez de bons résultats. Receive connection to divine helpers. Recevez la connexion à des aides divines. Pastor Ivan and eventually brought Pastor Mohamed to my office. Pasteur Ivan a ensuite emmené Pasteur Mohamed dans mon bureau. I only saw Pastor Mohamed for like 30 minutes or one Je hour. Je n'ai vu qu'Apôtre Mohamed que pour 30 minutes, une heure. And then he went back to Côte d'Ivoire and the thing exploded. Et il est retourné en Côte d'Ivoire et ça a explosé là-bas. All you need is the right person to hold your hand. Tout ce dont vous avez besoin, c'est que la bonne personne tienne votre main. Someone in this meeting. Il y a quelqu'un ici. Receive divine help. Reçois une aide divine. Receive positive turnaround. Reçois un retournement positif. Pastors. Pasteurs. Leaders. Leaders. Ministers. Ministres. Receive fresh anointing. Recevez une onction fraîche. Receive abundance. Recevez l'abondance. From tonight, à partir de ce soir, someone in this meeting, quelqu'un ici, you will break barriers. Vous allez briser les barrières. You will cross the vous line. Allez franchir les lignes. You will break barriers. Vous allez briser les barrières. You will cross vous the allez line. Franchir les lignes you de démarcation. Vous allez briser les you barrières. Will cross the line. Vous allez franchir les lignes. Shout amen with fire. Amen avec du feu. There are days when il y a des jours où Pastor Modestine was working here. Pasteur Modestine travaillait ici. And some workers didn't know she is the boss. Et certains des ouvriers ne savaient pas qu'elle était le patron. They thought she was the cleaner. Ils pensaient qu'elle était là pour nettoyer avec eux. That's how they've always perceived people from certain places. Parce que c'est toujours comme ça qu'ils ont qualifié des gens de cette race. I pray for you tonight. Mais avec l'huile de Dieu sur ma vie, you je prie pour vous aujourd'hui. Barriers. Vous allez briser les barrières. You will cross vous the allez line. Franchir les lignes de démarcation. You will break vous allez briser les barrières. You will cross vous the allez line. Franchir les lignes de démarcation.
Tonight, I prophesy on somebody here. Ce soir, je prophétise sur quelqu'un ici. Every project you start, you will complete. Chaque projet que vous commencez, vous le finirez. What you start, you will finish. Ce que vous commencez, vous le finirez. What you start, you will finish. Ce que vous commencez, vous le finirez. Say amen three times. Dites amen trois fois. Wherever you are hearing me tonight, où que vous soyez au son de ma voix ce soir, the sound of jubilation will be in your house. Le son de la jubilation sera dans votre maison. Number 49. Numéro 49. The sound of celebration will be in your house. Le son des célébrations sera dans votre maison. And number 50. Et numéro 50. Number 50. Numéro 50. You will testify. Vous témoignerez. You will testify. 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 You will give testimony. Vous apporterez vos témoignages. Your testimony will raise other people. Vos témoignages élèveront d'autres personnes. Your testimony will give somebody victory. Vos témoignages donneront la victoire à quelqu'un d'autre. Shout amen like fire. Criez amen avec du feu. And now to the King of Kings. Et maintenant au roi des rois. The Lord of Lords. Au Seigneur des Seigneurs. The Alpha and Omega. À l'Alpha et l'Omega. The beginning and the end. Au commencement et à la the fin. The A for the Alpha. Le A pour Alpha. The B for the bread of le life. Le B pour le pain de vie. The C for the Christ. Le C pour le Christ. The D for the deliverer. Le D pour celui qui donne la délivrance. The E for the El Shaddai. Le A pour El Shaddai. The F for the Father. Le F pour le Père. The G for God. Le G pour Dieu. The head for the high and lifted one. Le grand et l'élevé. I am that I am. Et je suis celui qui suis. Put your hands together and give him the biggest glory tonight. Que quelqu'un lui donne la gloire. Que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un lui donne la gloire. Que quelqu'un lui donne la gloire. Que quelqu'un lui donne la gloire. This prophetic word, cette parole prophétique will become the reality of your life. Deviendra votre réalité. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Sit down. Asseyez-vous. Look at me. Regardez-moi. Take a seed. Prenez une semence. And wrap your faith around it. Attachez-y votre foi. Because that's where the future is. Parce que c'est là que se trouve l'avenir. Your future is in the capacity to realize. Votre avenir est dans la capacité à réaliser. Every seed is pregnant. Que chaque semence est enceinte. Everyone, take a seat. Everybody, que tout le monde prépare une semence. I'm about to pray, préparez-vous, je suis sur le point de prier. Prenez une enveloppe, quel que soit votre mode de don, faites-le vite. Very fast. Faites très vite, s'il vous plaît, pour distribuer. Faites vite. My time. J'ai suivi le temps qui m'a été imparti. Tomorrow I shall preach. I did not preach today. Demain, je vais prêcher. Aujourd'hui, je n'ai pas prêché. And on Friday I shall preach. Et vendredi, je vais prêcher. Sunday morning, I shall preach. Dimanche matin, je vais prêcher. Get your seed ready. Préparez votre semence. Get your seed ready. Préparez votre semence. Father, bless the seed your people sow. Père, bénisse la semence de ton peuple. Put your blessing on it. Que ta bénédiction repose. Put your prosperity dessus. On it. Que ta prospérité repose dessus. Let every prophetic word spoken into their lives. Que chaque parole prophétique déclarée dans leur vie. Become the reality of their life. Devienne leur réalité. Fill their mouth with testimony. Remplis leur bouche de témoignages. The seed goes as seed tonight. Oh, ce soir, c'est une semence qui sort. But it comes back as testimony. Mais ce sont des témoignages qui viennent. So shall it be. Ainsi soit-il. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Give the Lord the biggest praise tonight. Que quelqu'un célèbre le Seigneur. Come
Amen, 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 amen. Alors le pasteur Mathieu me dit de te connecter à cette offrande prophétique d'un multiple de 50, si tu peux. Parce qu'il a donné 50, il a proclamé 50 bénédictions. Alors vous savez, on est sur le plan de clôturer dans quelques minutes. La pensée qui m'est venue là, c'est juste de vous dire, je connais une sœur, toutes les filles de sa famille n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Aucune. Toutes les femmes, pardon, pas les filles, les femmes, aucune n'a réussi à être enceinte. Et il y en a une qui, quand le père était malade, était à son chevet et s'occupait de lui. Le papa savait que toutes ses filles, aucune, il y en a plusieurs, n'arrivent si à enfanter. Et le papa, avant de mourir, parce qu'il a vu que celle-là est celle qui a toujours été là pour lui, et celle qui l'a toujours honoré, il a proclamé une parole sur sa vie avant qu'elle ne meure. Et puis il a dit que le Seigneur te donne des enfants. Juste ça. Et aujourd'hui, c'est la seule femme dans toute sa famille, de toutes les sœurs qu'elles sont, à avoir enfanté. Vous savez, quelqu'un écoute ça et puis se dit c'est de la pensée positive. C'est de la parole de motivation. C'est parce que tu n'as pas compris la puissance de la parole des pères. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne peut pas douter de ça. Parce qu'on est combattu dans la vie. Parfois, il y en a qui sont combattus parce qu'ils transportent, ils luttent avec des paroles négatives qui ont été proclamées sur leur vie. Et quand Dieu veut te visiter, il va envoyer un père pour parler sur ta vie. Peut-être que ce qu'il dit, toi, tu te dis, oh, ça a l'air classique, c'est banal. Non, 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 en fait, tu n'as aucune idée. Ça dépend juste de ta foi et de l'honneur que tu accordes à ce que tu es en train d'entendre. Et on a tellement, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes tellement la manifestation des paroles qui ont été relâchées et de l'honneur qu'on a manifesté en réponse que je ne peux pas douter de la puissance qu'il y a dans la bénédiction des pères. Alors je prie que Dieu t'ouvre l'intelligence parce que je t'assure que la bénédiction des pères fait gagner du temps. De Genèse à Apocalypse, c'est un principe qui est redoutable. Voilà pourquoi quand pasteur Mathieu parle, je te supplie, ne te mets pas, dis amen et prends ça dans ton cœur. Et parfois, c'est tellement difficile parce que parfois, on entend des paroles et puis, écoute, ça fait longtemps que pasteur Mathieu prophétisait sur nous, il a toujours prophétisé et puis on ne voyait pas la... Il prophétise et puis on voit toujours les combats, il prophétise, on voit toujours les combats, il prophétise et puis il y a toujours les combats. Mais quand je vois le chemin parcouru aujourd'hui, je réalise qu'en fait la parole a continué de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. Et les œuvres que Dieu a faites par lui, il les a manifestées aujourd'hui dans la francophonie. Et en vérité, il les a même manifestées à une dimension étonnante, extraordinaire et au-delà. Donc que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces principes-là. Demain, nous aurons le pasteur Marcelo, nous aurons le pasteur Mathieu, nous aurons le... bon, en fait, ce sont tous des apôtres, hein? Mais nous aurons le pasteur Yves, et nous aurons le pasteur Marcelo, Mohamed, pasteur Mathieu, pasteur Yves. Enfin, demain, on aura tous les quatre pasteurs. Donc, demain, on vient le matin, on dresse notre tente, on s'assied là, et on reçoit. Amen. 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 Seigneur, je veux prier avant d'inviter, pendant que j'invite la chorale déjà à prendre place, je veux juste dire merci à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, au corps de Christ qui s'est joint à nous pour célébrer cette inauguration. Et que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous et que puissiez vous repartir avec la portion que Dieu veut déverser sur vous. Merci encore à tous ceux qui ont semé, connectés au son de ma voix. Assurément, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il se souviendra de nos semences. Amen. Alors nous voulons incliner la tête et prier pour la fin de ce moment, qui n'est pas la fin de sa présence, avant de laisser place à la louange. Seigneur, merci. Merci. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te louer? Béni sois-tu. Pour ce que tu as fait depuis le début de la semaine, pour ce moment particulier, nous célébrons la percée du royaume de Dieu dans la francophonie. Nous célébrons, Seigneur, une brèche ouverte qu'on ne repartira plus en arrière. À partir de notre génération, sortiront de la francophonie des œuvres
des consécrations, des caractères, des lumières, des miracles, des prodiges, des signes qui vont inspirer des multitudes. Merci de ce que la francophonie fera rêver le monde. Merci de ce que nos vies inspireront. Tu as commencé cette œuvre et tu vas nous amener de gloire en gloire. Nous te disons merci parce que tu nous as donné ton cœur et tu nous as choisis entre tes mains. Rien ne vient de nous, tout vient de toi. Nous sommes juste fiers, reconnaissants d'être des vases, des instruments à travers lesquels tu écris des histoires nouvelles. Merci de ce que la grâce qui est associée à cette maison et la grâce qui va être manifestée dans la vie de toutes les personnes qui ont honoré, qui vont continuer d'honorer ce que tu as érigé ici, à la capitale de la francophonie. Merci de ce que la francophonie sera prise, la capitale sera prise, les provinces, les régions, la francophonie sera prise et de la francophonie sortiront des œuvres qui vont inspirer le respect jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de ce que les derniers seront les premiers. Par ta grâce et l'assistance du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre histoire, notre partage, notre expérience. Merci encore de ce que tu t'es souvenu de la francophonie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Alors on peut se lever, célébrer Dieu et on peut également se saluer dans la présence de Dieu. Prenons le temps de nous réjouir. Et merci encore à chacun et à chacune. Levons-nous. Et on acclame Jésus, on acclame Jésus. Donc on se retrouve demain matin 10h. Et on va commencer demain matin 10h. C'est pasteur Marcelo, hein? Bishop, c'est toi. Hein? Voilà. Donc on vient, on dresse la tente et on reste là toute la journée. Que Dieu vous bénisse encore. Et puis excellente soirée. Amen. Merci pour la chorale que nous accueillons sous vos acclamations. Merci. Alléluia. Il faut un Dieu grand pour faire de grandes choses. Il faut un Dieu grand pour faire de telles merveilles. Il faut un Dieu grand pour avoir suscité un peuple pour que nous puissions voir ce jour la cité royale. Nous voulons tous ensemble honorer ce Dieu, reconnaître sa grandeur, sa magnificence et sa puissance. Oh notre Dieu, toi seul es digne de notre louange. Alléluia, alléluia. De tout mon être, Oh,
Est-ce que tu veux danser?